Parce que si je mets, parce que tout n'est pas
Bon vendredi soir, mesdames, messieurs. Merci de nous accueillir chez vous pour ce cinquième et ultime match de la série demi-finale entre les Genois d'Alma et les Filons de Thetford. C'est Mario Royer qui vous souhaite la bienvenue et en ma compagnie, notre analyste Pierre Nadeau. Salut Pierre. Bonsoir Mario. Mais Pierre, c'est toute une série que se livrent ces deux équipes-là depuis le début de la demi-finale. Ben exactement. Et pour les Filons, ben c'est deux grosses séries parce que la première avait été en cinq matchs face au Griffon de l'Outaouais. Et là, encore une fois, un cinquième match et des matchs serrés, Mario, où les Filons ont emporté 4-2, 5-3 à domicile. Et ils se sont inclinés 3-1 à Alma et 4-3 pas plus tard que dimanche dernier, ce qui créait l'égalité qui, justement, coïncide avec cet ultime match ce soir. Et à l'enjeu, justement, ce soir, rien de moins qu'une place en grande finale du circuit contre les Patriotes du Collège de Saint-Laurent. Oui, et les Patriotes qui, je ne sais pas si on peut appeler ça une surprise, parce que je ne suis pas familier avec la RSEQ, mais Lennoxville, qui avait terminé au premier rang, et les Patriotes, qui, eux, étaient quatrièmes. Ont éliminé les Cougars en trois matchs. En trois matchs. Et la grande vedette a été la gardienne de but, Eve Gascon, qui, faut le dire, trois fois la première étoile. Ils ont remporté les trois victoires, mais deux en prolongation. Et elle a fait le travail. 117 arrêts sur 121 lancés, Mario. Faut le faire. Oui. On aura sans doute l'occasion de revenir oui. sur les Patriotes parce qu'effectivement, ils ont connu une excellente fin de saison. Un parcours éliminatoire quasi parfait. Oui. Or, l'équipe qui va les rejoindre en finale ce soir aura du pain sur la planche. Mais bref, pour le match de ce soir, ça promet entre deux formations qui nous en ont fait voir de toutes les couleurs dans les quatre premières rencontres. Oui, exactement. Et les Filons, ben, se doivent de sortir fort parce qu'ils avaient quand même une avance dans le quatrième match, Mario, dimanche dernier. Ils menaient même à un certain moment 3-0. Ils ont vu les Genois combler un écart de 3 buts. Et il faut dire une chose, il va falloir se tenir loin du banc des pénalités pour les Filons ce soir. Oui, justement, pour les Filons, depuis le début des séries, c'est une fiche parfaite de 5 victoires en autant de matchs à domicile, mais on a été incapable de gagner à l'étranger. Oui, bien c'est ça. Ils ont perdu les deux fois. Et d'ailleurs, depuis le début des séries, Mario, les Filons ont tous remporté leur match à domicile, mais n'en ont gagné aucun à l'étranger. Alors que du côté des Genois, ben, ils sont également parfaits à la maison en quatre parties. Une fiche d'une victoire, c'était dans la série précédente contre St. Lawrence, et deux défaites sur la route. Exactement. Donc, et la semaine... Oui? J'allais dire, il faut cependant dire que les Filons, ce soir, changent de domicile. Eux qui évoluent habituellement au centre Renaud Fournier, secteur Black Lake. Mais en raison de travaux qui s'effectuent là-bas, l'équipe a déménagé là, pour le reste des séries ici au centre Mario Gosselin à Thetford Mines. Oui, exactement. Donc, une nouvelle amphithéâtre, une patinoire un peu plus grande aussi que celle de Black Lake. Est-ce que ça peut avoir un impact? On verra. Donc, l'équipe qui s'amène sur la patinoire. Tu mentionnais, Pierre, il faudra se tenir loin du banc de punition parce que il y a une statistique à cet effet-là depuis le début de cette série. Les unités spéciales, là, les Filons, qui ne sont que 3 en 22, c'est 13%. Ouais. Alors que les Genois, eux, je te laisse y aller. C'est 6 en 15 pour 40%. Et les 6 buts, Mario, c'est dans les 3 derniers matchs. C'est important de le souligner. Dans le match de dimanche, les 2 buts ont été de, je pense, c'était en 50 secondes en avantage numérique. Allons-y bien avec la présentation des joueurs partant des deux équipes. Le numéro 61, Zachary Gagné.
de Bourdage. Philippe Bourdage, il a été devant le filet des 10 matchs. On va revenir après l'hymne national, Mario. Donc, j'allais dire, Mario, pour du côté des filons, le gardien Philippe Bourdage a été employé dans les 10 matchs des séries. Il a quand même une moyenne de buts alloués de 3,22 et d'efficacité à 900. Alors que du côté des Genois, Olivier Frenette en est à un sixième match. 2,40 de moyenne de buts alloués et d'efficacité à 0.902. Et les officiels, Vincent Bigras et Mathieu Boudreau, alors que les juges de ligne sont Maxime Carré et Pierre-Olivier Chab. Frenette qui sort dans le filet, Pierre, du côté des Genois, tu le mentionnes, un sixième départ en 8 matchs pour les siens. Mais en saison régulière, c'était un partage quasi égal entre les deux gardiens, Gabriel Lapointe et Olivier Frenette. Ils avaient respectivement 50,2 % de temps d'utilisation pour Frenette, 49,8 %. Il n'y avait que 8 minutes de différence au cours de la saison entre les deux gardiens. Et les moyennes de buts alloués étaient pratiquement identiques. Alors, mesdames, messieurs, tout est en place pour ce cinquième et décisif match de la série demi-finale entre les Genois d'Alma et les Filons de Thetford. On vous souhaite un bon match. C'est on est le dirigeant en territoire de c'est le capitaine Bélanger qui va saisi par Mathis Dufour. Faible titre du gardien Frenette à son défenseur Dupuis. Dans le coin, l'intention de gagner qui va donner un échec au dépens du joueur des Filons, c'était Nathaniel Aubert. Ce sera la sortie d'étoile qui tente de s'organiser du côté des Genois, mais on est retardé. Dupuis qui va retourner le disque, cette fois, c'est pour Vigneault. Vigneault la passe par la rampe. Les Genois chez eux. Et déjà un premier changement apporté par l'entraîneur-chef des Filons, Martin Bernard. La sortie d'étoile de Blois. Il s'est mis en adverse. Blois contré par Mercier. Et ça va relancer l'attaque du côté de Gauthier. Gauthier Thomas en direction de Mercier, je précise Gauthier, puisqu'il y a également évidemment celui des Genois, l'excellent marqueur Félix Gauthier. Et les Filons, ils ont son numéro, Pierre. Oui. Il a inscrit les trois premiers buts dans le match de dimanche dernier. Exactement. Et donc, comme on le rappelle, deux en 50 secondes. Intervention de Bourdage derrière son filet. Ce sera maintenu en territoire de Thetford par Talbot, plaqué par Nadeau. Ça va permettre à Gagné d'y aller d'un lob qui va atterrir jusqu'au centre. Et de là, on va retourner chez les Filons. Mercier s'arrête derrière son gardien. Mercier, sorti du côté droit. La remise sur sa gauche, c'était derrière Fortin. On va revenir au territoire. Dans leur territoire, tout ce qui s'est fait entendre. 1 minute 36 découlée dans cette rencontre. Donc, on va devoir du côté des Filons conserver les mêmes effectifs. Inscrit premier, deuxième et troisième but pour effacer un déficit de 3-0 en une égalité de 3-3 avant de voir son équipe l'emporter en toute fin de rencontre dimanche dernier. Et forcé donc de ce cinquième match. Ici au centre, Mario Gosselin à Thetford Mines. Une excellente foule, on aura sans doute l'occasion de vous faire une petite visite dans les jardins. Rondelle qui va se retrouver en territoire des Genois. Rondelle qui est libre, ce sera récupéré par Marcoux, entraîné dans sa chute.
par le capitaine des Janois. Rondelle qui est débattue et finalement, on va ramener le tout au centre. Mise en échec aux dépens de Lavoie. Lavoie qui n'était pas, je pense, Pierre, du dernier match. On va vérifier. Part de tête. Celui-là. Il y en a trois à Tremblay du côté des Genois. Bataille dans le coin de patinoire, reçoit l'aide de son coéquipier Bernard. C'est lui qui va tenter de remettre à la ligne bleue, mais contré par le travail de Bizier. Ça permet à son coéquipier Boisvert de prendre le disque. Boisvert devant le banc des tiens. Mais c'est un jeu qui va porter pour du côté des Genois. Contourne le filet, tente de surprendre le gardien Bourdage. Rondelle qui revient en direction de Nadeau, quitte sa position, s'amène dans le coin de la patinoire et finalement perd le disque. Un tir de loin, ça rage. Retour qui est libre le long de la rampe. Dufour du côté des Genois va tenter de récupérer. C'est fait. Travaille sur son revers et dégage juste. Frenette, mais en vain, n'a plus touché au disque. Ce sera récupéré par Tedford. On tente de remettre devant le filet. C'était Aubert, contré cependant par. Côté. On tente de ramener le disque devant. C'est derrière le filet que ça se passe, dans le coin de la patinoire. Et finalement, ce sera récupéré par les Genois, mais une solide mise en échec. Et l'attaque de Tedford va poursuivre. Le tir s'arrête la cage. Et Deblois s'empare du disque. Pardon. On remet la charge du côté de Tedford. Autre tir et Frenette qui habilement fait dévier dans le filet protecteur. Donc, les Filons qui ont mis vraiment de la pression au cours de la dernière séquence et ont menacé la cage du gardien Olivier Frenette. Donc, c'est de bon augure. On se doit de jouer justement ce style de hockey du côté des Filons. Eux qui ont marqué 15 buts de plus en saison régulière que les Genois. Et là, dès le départ, mise en jeu remportée par les Filons, un tir qui rate la cage, c'était de Benjamin Simoneau. Dufour laisse derrière lui à l'intention de Nadeau. Rondelle qui côté de Tedford reprend. La manœuvre et ça va permettre la sortie de territoire des Genois. Avec Gauthier, il est menaçant. Un tir et ça va bondir derrière la cage de Bourdage qui avait véritablement perdu le disque de vue. Bataille à 4 derrière le filet. Ça ira à la ligne bleue à Dupuis. Son tir a touché son propre coéquipier. Mercier qui est temps de revenir. Son tir ne parvient pas. On relaie à la ligne bleue. Et c'est Dupuis qui peut revenir. Dupuis dans son territoire. Des changements du côté de Tedford. C'est une rondelle perdue des spectateurs. Donc, avec 15-20, on va reprendre justement en territoire central, à la ligne bleue des Genois. Toujours pas de pointage. Merci. Et voilà, retour chez la mais n'avait pas franchi la ligne centrale. Ça va coûter une remise en jeu dans son territoire. Oui. Ce sera à la gauche du gardien. À la mise en jeu, ce sera Bernard face à Marcoux. Et c'est gagné par le joueur des Filons. Et dégagement chez les spectateurs, on devra reprendre du même endroit, c'est-à-dire à la droite du gardien Bourdage. Les gagnants du match de ce soir qui vont se qualifier pour la finale face aux Patriotes de Saint-Laurent. Et dans un cas comme dans l'autre, ce sera une toute première participation à la série finale. Fortin tire le disque dans le coin, c'est pour lui-même, en territoire adverse. Mathieu Fortin encaisse la mise en échec. Et ce sera finalement saisi du côté des Genois avec Philippe au centre. La voix qui est arrêtée par Mercier, ça va coûter 2 minutes au joueur des Filons. L'officiel qui il va une réprimande pour obstruction, dit-il, à l'endroit. Mercier, et ce sera un premier avantage numérique, un premier test, Pierre, ce soir pour les Filons. Eux qui en ont arraché, disons-le,
Depuis le début de cette série, ils ont accordé pas moins de 6 buts en 15 infériorités numériques. Et c'était cette pénalité au départ de Lavoie. Je me demandais s'il était le dernier match. Non. C'est un premier match pour lui dans les séries. Donc, avantage numérique. C'est parti avec Deblois. Remise au point d'appui pour Gauthier. Gauthier va tirer un joueur à lui. Ça mène à la hauteur du cercle de mise en jeu. Gauthier conserve le 10. Relais de l'autre côté. C'est pour son coéquipier un tir bloqué en défensive. La promenade du bâton de Deblois et le dégagement sera bon jusqu'à le bout. Ce sera saisi par Sénéchal. S'arrête derrière son filet. Contourne celui-ci. Sénéchal remise arrière et c'est Nadeau qui a perdu son ballon. Aurait bien voulu contrer l'attaque adverse. C'est transporté par Gauthier. Tir du poignet de l'arrêt de mitaine et pas de retour concédé par Bourdage. Un bon tir de la part de Félix Gauthier. Bel arrêt. De on le rappelle, Gauthier qui a marqué 2 buts en avantage numérique dans le dernier match qui permettait justement aux Genois de créer l'égalité. Alors, un excellent tir, mais Bourdage qui... bel arrêt de la mitaine. Gauthier qui était tantôt employé comme pointeur, là, sans perdre la mise en jeu. Relais. Dans le cercle. À l'embouchure du filet, c'est intercepté par un coup. On pourrait s'amener à... à l'autre bout. 45 secondes écoulées. Mathieu Fortin récupère derrière le filet adverse. Cherche une option. Veut remettre devant. C'est intercepté par Sénéchal. Sénéchal, un long détour dans son territoire. La remise est pour écouter. Un peu intercepté. Moins d'une minute à l'avantage numérique des Genois. Toujours 0-0 dans le match. 15 minutes à faire en première période. Est-ce que transporté? C'est Talbot qui était en contrôle. Ça revient du côté de Tachou. Maintenant au point d'appui. Nadeau du côté de Dupuis. Et c'est menaçant. Le tir de Nadeau, ça a été effleuré par Bélanger. Le retour appartient à Flajol. Flajol de l'autre côté. Derrière le filet, on tente de ramener le disque devant. Un arrêt et finalement, c'est le filet qui a été déplacé. Bousculade qui va s'en suivre. Oui, un début de bousculade là. Alors qu'on s'était approché un peu trop près du gardien Bourdage. Bon, on a bien manœuvré du côté des Genois pendant la dernière séquence. Il reste encore 21 secondes au filon pour espérer justement s'en tirer sans... sans coup férir. Oui, exactement. Ce sera Bernard à la mise en jeu, les deux numéros 19 qui s'affrontaient. Ce sera finalement remporté par le joueur des filons, mais Aubert qui n'a pu dégager son territoire toutefois. C'est maintenu. Gagné qui bataille contre Bernard dans le coin. Bernard veut protéger le disque. D'une seule main, remet pour Flajol qui lui va retourner à la ligne bleue. Le tir, c'est bloqué. Le long retour concédé. Ça appartient à nouveau à Flajol et autre arrêt de Bourdage avec une seule seconde à faire à la punition de Mercier. Ben là, encore une fois, les Genois ont menacé. Il y avait eu un tir de Talbot. Par la suite, le retour a été effectué par Flajol. Mais pendant les deux reprises, eh ben, le gardien des filons, j'allais dire de l'assurancière, ouais. des filons qui a repoussé les deux tirs. Le jeu de puissance qui aura été menaçant. Et à nouveau, dès le départ, un tir frappé, ça rate le filet. Punition qui se termine à l'instant. On est de retour avec des formations complètes à 5 contre 5. Remise qui ira. Et ça glisse jusqu'à Sénéchal. Les Genois qui vont retourner. Dans leur territoire. C'est gagné derrière la ligne des buts. Ce sera repris par son coéquipier Goulet. La remise était tentée par Aubert, mais on a pas de l'entrée de territoire. Territoire central, tout ça avec 12 minutes 15 secondes à faire à la première période. Pierre, une très intéressante poule ce soir pour assister à ce 5e match de la série. Exactement, Mario. On voit, là, c'est à un moment donné qu'on va passer la caméra. Une très belle image de la poule. Un petit chance, ça va venir à pas de vie. Derrière pour son coéquipier. Ça a été fait par le qui va se retrouver derrière le filet de Bourdage, le long de la rampe. Côté des chaleurs, ça y va. Retourner la rondelle à Tedford. Rondelle qui longe la rampe. C'est Goulet qui veut remettre et c'est la sortie territoire avec Dupuis. À la charge. Dupuis qui est retourné par la
chez les Genois. Cette fois, c'est Sénéchal qui va tenter la sortie. À son tour, contré celui-là par Aubert. Aubert qui travaille bien. Il va de tir et Frenette qui répond présent à son tour. Il a vu son vis-à-vis Bourdage effectuer quelques très bons arrêts au cours du jeu de puissance des Genois. Mais là, il vient d'en faire un bon à son tour. Exactement, Mario. Et jusqu'à présent, les Filons jouent une excellente première période. On a pressé le jeu. Malheureusement, Pierre, on n'a pas le nombre de tirs au but en temps actuel. Oui. Hors jeu dans ce territoire, ça semblait, on s'amenait à 2-1. Ça semblait menaçant du côté des Genois, mais on avait devancé le porteur du disque. Exactement. Donc, il faudra sans doute attendre après la fin de la période avant d'obtenir justement le chiffre des tirs au but. Mise en jeu, c'était Bizier contre Bénard. C'est emporté par Bizier. Un tir de loin, à la droite de Frenette. Ça revient vers Rampé. Tire dans le coin de Bernard. Ça revient dans le demi-cercle du gardien et voyant Bernard s'approcher. Bourdage immobilise le disque, le conserve. Tout à fait. Bizier pour les Filons, Mario. On se rappelle qu'il n'a marqué aucun but durant la saison régulière. Il en a 4 en série. Oui. On appelle ça un joueur de série. Oui. On a décidé de changer de côté. Du côté des Genois en saison régulière, Pierre, Tommy Lebois avait été le meilleur marqueur des siens avec 51 points. 36 de Blois, il avait été, je pense, il a fini au quatrième rang des marqueurs des Genois dans la Ligue. Là. Circuit. Oui. Rondelle qui est en territoire des Genois et on va tenter la sortie. Et rapidement, il va s'arrêter. Fin de décocher un tir, remet dans l'enclave le tir et le filet encore une fois qui a été déplacé. Le... Même si la rondelle se retrouve au fond du filet, le filet a bien indiqué qu'il n'avait pas bu. La rondelle était, a traversé la ligne rouge après que le filet lui a été déplacé. Les joueurs des Genois qui se congratulent, mais on n'a sans doute pas aperçu le geste du filet ou on a faim de ne pas l'observer. Oui, exactement. Le filet qui n'a pas hésité à indiquer non. Là, on a vu. La voie est très rapide, Mario. Il déborde un peu et. Exactement. Et là, on vient d'annoncer que la raison, on a très bien vu là, que lorsque Tremblay est arrivé par la suite, le filet était déplacé. On va reprendre à la gauche du gardien Bourdage. Les Genois qui n'hésitent pas à attaquer le filet de Bourdage. Et on a vu la rapidité de la voie, Mario. Oui. C'est juste... une des raisons pour lesquelles son entraîneur a fait appel à lui ce soir. Tout à fait. Nadeau, chassé de la mise en jeu. C'est Simoneau qui s'amène face à Maltais. Ce sera gagné par Simoneau. Et au départ, dégagement jusqu'au centre. Rondelle qui est libre. C'est de la rampe. Mathieu et Simoneau du côté de Thetford. Il y a Maltais. Il y a Simoneau qui un tir de loin. C'est impossible, mais... Le gardien Frenette qui a effleuré le disque avec sa mitaine s'est débattu dans le coin maintenant. Simoneau tente de ramener le disque devant. En se retournant, il va d'un tir et bel arrêt encore une fois Frenette. Autour des filons de menacer. Ça ira à la ligne bleue et c'est le défenseur là, qui a quitté son poste pour appuyer l'attaque alors que ça se poursuit. On tente de remettre derrière mais finalement, on manquait un peu de précision. C'est Mathieu qui n'a pu maintenir le disque en territoire adverse. C'était Chapdelaine qui précédemment avait supporté l'attaque des siens. Les Genois là, qui menacent à leur tour. Flageol plaqué par Chapdelaine. Rondelle débattue à 4. Talbot est là également du côté des Genois. Il y a également Dufour. Rondelle qui est immobilisée entre plusieurs patins. L'officiel qui tarde à faire entendre le coup de sifflet. Flageol toujours. Et c'est Chapdelaine finalement qui va pousser le disque à l'intention de son coéquipier Mathis Dufour. Bloqué par Rondelle qui va glisser jusqu'à Gauthier en territoire d'Alma. Félix Gauthier derrière son filet. La remise pour son coéquipier défenseur. Et c'est de là qu'on va tenter d'amorcer la prochaine attaque.
Tremblay, c'est... Non, c'était le 13 plus tôt. Pas de 20. Avec Mercier pour gagner. Mercier à la ligne des Filons. Goulet qui était rappelé au bar. Son tour de rentrer, ça déplace un coéquipier, alors que c'est intercepté, mais on perd aussitôt du côté des Genois, finalement récupéré, c'est Bélanger qui va retourner au centre. De là, le perdu, spectateur, 4 minutes 12 à écouler, toujours pas de but dans ce match. Les relances en attaque des deux côtés sont très rapides. Quelque chose qu'on va voir des filets un petit peu plus au niveau de l'exécution lorsqu'on a à travailler devant le filet. Il faut dire que les Genois travaillent très bien en défensive. Oui. Les Canadiens ont excellé depuis le début du match au niveau des mises en jeu, mais hors-jeu cependant à l'entrée du territoire des Genois. On devra reprendre devant le banc des Filons. Ben, c'est un match de série, Mario. Les deux équipes qui ont divisé les honneurs des quatre premiers matchs, chacune l'emportant à domicile. Ouais. Deux victoires des Filons sur leur patinoire. Les Genois ont fait de même chez eux. Si on parle de, davantage de la glace, des fois, on dit que ça va être des Filons et des Genois. Ça a eu de l'incidence. Oui. Dans le coin des patinoires, territoire d'Alma, c'est bousculade. Rondelle qui va revenir à Nadeau. Nadeau laisse pour Sénéchal. Un faible lob de ce dernier. La rondelle qui est d'abord en territoire et finalement dégagée jusqu'au centre. C'est libre et repris par Labrec qui, au même moment, va céder sa place avec des changements complétés par Martin Bernard. On fait de même du côté de l'entraîneur Pascal Hudon chez les Genois. Tremblay, Charles-Antoine, la Justin Dufour, il est entré derrière le filet de Bourdage, contrôle, conserve le contrôle du disque avant de le remettre à Vigneault. C'est intercepté cependant par Justin Dufour. Rondelle qui va glisser à l'autre bout. On va laisser, je pense, le juste poursuivre. Non! Ciel qui suivait tout près. Et il y a plusieurs partisans qui ne sont pas d'accord avec la décision rendue, mais ça va demeurer un dégagement refusé. Secondes. Pour ceux qui se poseraient la question, Pierre, la série finale du circuit collégial première division, ça va débuter le week-end prochain. On y reviendra quand ce premier match, parce qu'évidemment, le gagnant de ce match, ce soir, Pierre, non seulement va hériter d'une participation à les finales, mais va également recevoir le premier match au classement général. Les Genois, troisième. Et l'équipe déjà qualifiée, ben, ce sont les Patriotes de Saint-Laurent qui avaient terminé quatrième. Or, si les Filons l'emportent, la série finale débutera samedi prochain, en après-midi, ici. Alors que si ce sont les Genois qui l'emportent, ce sera vendredi soir à la maison. C'est côté de Bernard, mais il a pas Marco pour lui faire perdre le disque. Et ça va revenir du côté de au centre. Laisse pour Tremblay. C'est partiellement bloqué. Et Rondelle qui revient à Simoneau. À deux points. Et habilement, encore une fois, dévié par le bâton du gardien Frenette. Ça va bondir dans le filet protecteur. Ça entraîne le coup de sifflet. C'est un tir qui n'était pas cadré, mais qui a été bien dévié par le gardien, justement, Frenette, du côté des Genois. Et plus le temps passe, Pierre, bien, plus c'est un cliché, mais plus le premier but risque de prendre de l'importance. Ouais. C'est Chapdelaine qui quitte son poste de défenseur. Ce sera toutefois saisi par les Genois. On va organiser l'attaque à partir du centre. Ça mène dans la gauche un tir. C'est l'arrêt de Bourdage. Je ne vais pas être rabat-joie, mais je te remarquer que dans le quatrième match, les Filons en ont mené 3-0. Et finalement, et ça s'est terminé 4-3. Comme on dit souvent, ça joue sur la glace. Ouais. Mais on aime toujours mieux prendre les devants quand même. Ben, c'est toujours mieux de jouer avec une avance que de jouer du hockey de rattrapage. Ça, c'est bien sûr.
Et possiblement dans un cinquième match que ça peut être différent ou c'est un match ultime. Il n'y a pas de lendemain pour aucune des deux équipes. Non. Gauthier, par la rampe. Félix, le 92 du côté des Janois. Il y a également trois Dufour dans la mêlée ce soir. Deux du côté des Filons. Justin et Mathis. De même que pour les Janois. Rondelle saisie par Chapdelaine derrière son filet. Par la rampe, intervention de Gauthier. C'est lui qui s'empare du disque. La remise à deux doigts, le tir. Habilement décoché. Le retour, le but marqué par Gauthier. 1-0, les Genois qui ont pris les devants. Gauthier, tu parlais du premier but. Ben Gauthier, c'est lui qui avait fait mal au filon dimanche dernier. Et de Blois, les deux meilleurs marqueurs qui, justement, au filon avec ce premier but. On s'est amené dans le territoire adverse. Et les deux se sont bien complétés. Alors que Gauthier a fait le tour et a pris une rondelle libre pour justement là, déjouer. On a vu le tir là, dans l'enclave de Blois. Et Gauthier qui revient par derrière et saisit la rondelle libre pour déjouer Bourdage. C'est 1-0 les Genois. Oui. Alors qu'on confirme ce premier but du match. On va qui va laisser à la droite Bourdage qui est saisi par Messier. Rondelle qui est maintenue en territoire vers Gagné. Relais arrière, le tir de la ligne bleue et avec la mitaine, ce sera saisi par Bourdage qui ne cède pas de retour là-dessus. Donc, c'est confirmé, là, de Blois. Pas de Blois, mais Gauthier sur une passe de Blois. C'est 1-0. Les Genois. Mise en jeu qui va s'effectuer à la droite du gardien des Filons. On a bougé rapidement du côté de Aubert. On va lui demander de céder sa place. C'est lui, Aubert. Traîné en territoire adverse et on va revenir à la charge du côté des Genois. Il est entraîné dans le coin et ça permet à Aubert de reprendre. Nathaniel Aubert s'arrête derrière son but. Aubert étudie la situation. Un long relais de Goulet. Goulet qui est content de pousser le disque un peu plus loin. Retourne au banc des siens. Au centre. C'est un bel arrêt, celui-là, important de la part de Bourdage. Du côté des Filons, on ne veut pas concéder un deuxième but d'avance aux Janois avec un peu moins de 5 à la première période. Sénéchal, choisit de s'installer derrière son gardien. Attend que son entraîneur ait complété des changements. Sénéchal qui patiente. La remise ira sur sa droite et au centre en direction de l'Assemblée. Ben, c'était le huitième de Félix Gauthier, dans l'intervalle de quoi un peu moins de trois périodes parce qu'il avait marqué à la fin de la deuxième. C'est un but qui est survenu à 14-25. Ça ira à Vigneault. Son territoire. La Bernard tente de s'emparer du disque, contré par Labrec. Rondelle qui longe la rampe. Ça ira dans l'autre coin. Cette fois, c'est Lavoie qui est là le premier. Au contact de deux bâtons, la rondelle qui bondit dans les airs. Ça demeure sur la surface de jeu, cependant. Avignon au point d'appui. Le tir de ce dernier s'arrête la cage à la droite du filet. Et Dupuis ne peut conserver. Attention. Plutôt les Filons, oui. Vous comprenez. C'est Dufour, Mathis, pour en pression de son coéquipier Labrec, plaqué. Derrière le filet, on tente de surprendre Frenette, mais personne pour compléter la manœuvre du côté de Thetford. Chapdelaine maintient le disque à la ligne 2. Finalement, la rondelle est portée jusqu'au centre. Goulet et Chapdelaine qui sont là pour les Filons. La rondelle qui est bondissante et finalement, ça va quitter le territoire. Flageol, remise arrière. Et du centre, un retour jusqu'en fond de territoire. Gagné. Rondelle qui bondit. Et
finalement, sera maintenu en territoire de Thetford. Mallet. Alors, la remise en direction de Talbot. Talbot plaqué par Chapdelaine. Taille pour la position du disque. On est à 4. Ce sera récupéré par Talbot. Il a failli surprendre Bourdage. Il a frappé le dos du gardien. Ça revient à flageol et punition d'indiquer. Je pense que ça va être les Janois cette fois-ci qui vont être chassés, si j'ai bien vu. Oui, Talbot qui semble se diriger au cachot. Ben, premier avantage numérique pour les Filons. Et c'est une belle occasion, Mario, avec 2-27, de créer l'égalité. Eux qui, comme on le mentionnait dans cette série, n'ont pas c'était vraiment, là, c'est 3 buts en 22 occasions. Oui. Donc, c'est une belle occasion pour se reprendre en avantage numérique. On aimerait bien créer l'égalité avant de rentrer au vestiaire. Remise en jeu à la droite de Frenette. Au départ, c'est Dubuc qui s'empare du disque. Il le laisse pour Deblois qui va tenter le dégagement et ce sera réussi. Jusqu'au pied qui va positionner le disque à l'intention de son défenseur, Chapdelaine, qui s'empare du disque. Chapdelaine, rapidement. Dans le premier rendu, ce sera Dupuis, plaqué cependant par Aubert. Le retour appartient à Chapdelaine, au point d'appui. Chapdelaine, retour dans le coin cependant, c'est Potvin qui est là. Tente de dégagement, il se sera réussi à entre ce dernier et Deblois. Deblois conserve, va retourner dans le de gagner 30 secondes, 1 minute 16 à l'infraction. Des Genois, donc, au jeu de puissance. Les Filons qui tirent de l'arrière, 1-0. Jeu intercepté de l'arrière du filet. On tente de remettre devant, mais ça a effleuré un bâton à droite. Il va jusqu'au centre. Bien contré. Ce sera un autre dégagement jusqu'au centre. Les Filons qui ont été incapables de bien s'installer en territoire adverse. Écoutez, s'en part du disque et le dégage. Avec une minute au jeu de puissance des Filons, c'est 1-0. Les Genois qui ont pris les devants dans ce match. Pas nécessairement concluant ce jeu de puissance-là depuis 1 minute 15. Et là, on bénéficie d'une remise en jeu dans le territoire des Genois. Donc, il faut absolument gagner cette remise en jeu. Et là, on demande à Maltais de revenir dans la mêlée. Évidemment, les changement d'effectif refusé en pareille situation. Maltais qui reprend place et on est prêt à reprendre. Mise en jeu à nouveau gagnée par les Genois. Je dis à nouveau, même si les Filons avaient excellé dans cet art depuis le début du match, gagné en transition adverse. Alors qu'on annonce la dernière minute de jeu, gagné. Relais du côté de Dufour qui va lui retourner. Encore 25 secondes à l'avantage numérique. Un tir bloqué dans l'enclave. Et c'est Tremblay qui va tenter le dégagement. Jusqu'à l'autre bout. Le temps peut-être d'une dernière attaque en surnombre avec 10 secondes à la punition. Dufour transporte. Laisse sur sa droite. Retour du côté de Gagné. Un tir qui est dévié dans l'écran protecteur. Et le jeu est rappelé avec 3 secondes à la punition des Genois et 29 secondes, 8 dixièmes à la première période. Les Filons qui avaient résisté sur le jeu de puissance des Genois et les Genois qui sont sur le point de réussir le même exploit. Ouais. À nouveau, c'est remporté à la mise en jeu. Cette fois, c'était par Gauthier. Ça revient cependant dans l'enclave. Le tir de Fortin, ça a été bloqué. Le retour est libre. Et on tente de récupérer du côté des Filons, mais en vain, ce sera sorti. Talbot, devant Dufour, entraîné dans le coin, plaqué par celui-ci. Il y a Boulet également qui est là pour tenter de récupérer le disque à la faveur de son coéquipier. Dufour et Boulet, mais Talbot qui fait du bon travail. Et avec quelques secondes à faire au cadran, c'est ainsi que ça va se terminer. L'émission se voit au centre Mario Gosselin. Des séries de Félix Gauthier sur une passe de Tommy Deblois à 14-25. Donc, c'est ça qui fait la différence jusqu'à présent après 20 minutes de jeu où les Genois mènent 1-0 dans ce cinquième et ultime match de la demi-finale de la RSEQ. On vous revient dans quelques instants pour le début de la deuxième période.
Oui, nous sommes de retour en direct de la galerie de presse au centre Mario Gosselin à Thetford Mines où après 20 minutes de jeu, les Genois d'Alma ont pris les devants 1-0 face au Filon de Thetford. Ouais. On rappelle le marqueur, Pierre? Oui, c'est Félix Gauthier, son 8e déprésent de série, 14-25 sur une passe de Tommy Deblois. C'est le 5e match de cette série, match décisif. Le gagnant qui va mériter une place en grande finale face aux Patriotes de Saint-Laurent. Série finale qui va débuter le week-end prochain. Et ce sera ici même à Thetford ou à Alma, puisque ou les Genois ou les Filons auront l'avantage de patinoire dans cette série finale. Étant donné leur position au classement final en saison régulière, les Filons qui ont terminé au deuxième rang et les Genois au troisième, alors que les Patriotes, eux, qui ont terminé au quatrième rang, ont remporté en trois matchs leur série face au Collège Champlain de Lennoxville. Donc, ce qui fait la différence. Les Patriotes qui avaient terminé au quatrième rang en saison régulière, classement général. Rappelons que dans la présente série, les deux équipes ont remporté leurs deux matchs à domicile. Les Filons ayant remporté les matchs 1 et 3, c'était à ce moment-là sur la patinoire du centre Renaud Fournier, secteur Black Lake, puisque les Filons viennent d'emménager au centre Mario Gosselin à compter de ce soir. Et les Genois qui l'ont remporté au centre Mario Tremblay pour les matchs 2 et 4. Donc celui qui créait l'égalité dans la série dimanche dernier. C'est peut-être ironique dans un sens, Mario, mais pour les Filons, c'est un peu une nouvelle patinoire pour eux qui sont habitués, comme tu le mentionnais, de jouer au centre Renaud Fournier. Oui. Alors qu'ici, à Thetford, naturellement, on a le public qui est pour nous, mais c'est quand même un nouvel amphithéâtre, une nouvelle patinoire, un petit peu plus grande. Jusqu'à présent, les deux équipes ont bien fait en première période. Parce qu'on a les tirs au but, je vais aller vérifier. Les deux gardiens qui ont quand même fait du bon travail. Frenette qui n'a rien cédé devant les Filons, alors que Bourdage, il a été battu une seule fois. Félix Gauthier qui avait contourné son filet et qui réussi à le surprendre avec un tir tout près du poteau. Alors que les officiels font leur entrée sur la patinoire, les joueurs des Genois, eux, sont tout prêts, attendent le signal. Et ils seront rejoints également par ceux des Filons. De chaque côté, on est prêts. Et dans quelques instants, on sera en mesure d'entreprendre la deuxième période de cet important match, le 5e de la série demi-finale. Et si tu me le permets, Mario, pendant que les joueurs des Filons font leur entrée sur la patinoire, ils ont dominé 11-7 au chapitre des tirs au but lors des premières 20 minutes de jeu. Donc, ils ont eu une belle occasion de créer l'égalité en fin de première période. Alors qu'ils avaient l'avantage numérique, mais ça n'a pas été concluant. Les Filons encouragés par une foule qu'on estime à près d'un millier de spectateurs ce soir. Mais de ces 1000 spectateurs, il y en a plusieurs, Pierre, partisans des Genois, qui ont fait le déplacement jusqu'à Thetford ce soir et qui prennent place derrière le banc de leur équipe. Ils sont assez nombreux pour les avoir croisés, les fidèles partisans des Genois. Bravo à ces gens, ceux qui nous écoutent justement... Là, faut pas je me trompe. Je vais dire à Alma et la région parce que je veux pas dire le Saguenay. Je me suis déjà fait parce que j'ai été à l'époque, j'avais travaillé à Dolbeau et là on m'avait expliqué la différence. Mais dans le cas d'Alma, c'est vraiment au Saguenay. Oui. Et on m'avait dit que c'était. Il y avait une différence entre le Saguenay et le lac Saint-Jean. C'était un fait. Tout à fait. Alors, on est prêt à entreprendre la deuxième période de ce match. C'est Gauthier face à Aubert et c'est parti. Rondelle qui va appartenir à Dufour dans son territoire. Un relais qui ne trouvera pas preneur et c'est Gagné qui entre en territoire de Thetford. La remise était tentée vers son coéquipier qui n'a pu saisir. C'était Deblois. Et l'attaque va s'organiser à son tour du côté de Thetford maintenant. Entrée en zone adverse. Un tir décoché. Le long rebond concédé par Frenette. Ça ira à la ligne bleue pour le capitaine Bélanger. À Aubert derrière le filet. Et dans l'autre coin pour Goulet. Goulet qui manœuvre bien, relais à la ligne bleue pour Dufour. S'allonge la rampe pour Aubert derrière le filet, mais n'a pu conserver le disque. Et c'est Nadeau, Philippe. La remise pour Gagné au centre. Gagné attendu. Évite la mise en échec de Bélanger. Se retrouve dans le coin de la patinoire. Rondelle qui revient du côté de Thetford. Rondelle qui longe l'arrière du filet. C'est toujours en territoire Thetfordois. Dufour qui tente de trouver un coéquipier. Finalement,
La sortie va s'organiser, mais le relais qui était derrière le joueur visé, Mathieu Dufour, il entre au banc des siens à l'instant. Dégagement qui sera refusé aux Janois là-dessus. On nous a indiqué, Pierre, et on va s'en excuser, au cours de la première période, semble-t-il qu'il y a eu quelques petits problèmes techniques, particulièrement au niveau du son. Oui. Donc, on travaille à tenter de remédier justement cette situation. On va reprendre à la droite de Frenette. Mise en jeu remportée par Thetford, un tir qui est venu rapidement de la part de Simoneau, mais ça ratait à la gauche du filet. On tente de ramener le disque dans le demi-cercle du gardien, c'est fait, et Frenette qui rapidement va mettre la main sur ce disque, le conserve. N'a pris aucune chance. Et elle préfère justement une remise en jeu à sa gauche. Entre Nadeau et Talbot. Rondelle qui est déposée. Ça va à Simoneau. Tente à nouveau un tir comme il l'avait fait précédemment. Cette fois, ça a été bloqué en défensive. Vigneault relève via la rampe pour Dupuis qui va lui retourner. On y va d'un échec avant un peu plus soutenu du côté des filons en ce début de deuxième période. Rondelle qui revient, un tir. Encore une fois, c'est Frenette qui est mise à l'épreuve. Oui, bien là, Vigneault a cafouillé un peu en défensive. Elle a été incapable de saisir le disque correctement. Et ça va inciter son entraîneur à apporter des changements complets. 5 nouveaux joueurs dans la mêlée. Alors qu'il y a une équipe, Pierre, qui va se diriger en finale, ben, pour une autre, ce sont les vacances qui vont débuter après le match de ce soir. Ouais. Merci. Il va d'un tir. Le retour à nouveau concédé par Frenette. On attaque le filet de toutes parts là, du côté de Thetford dans ce début de deuxième période. Un tir de gagné bloqué et c'est maintenu en territoire d'Alma. Nadeau dans le coin à l'intention de Gauthier. Mise en échec aux dépens de Simoneau. Ça va permettre aux Genois de récupérer le disque avec l'attaque qui s'organise autour de Lavoie en compagnie de Bernard. La remise qui est ratée. C'est Bernard qui reprend néanmoins le tir et l'arrêt de Bourdage. C'était pas commode comme attaque. Bourdage qui a bien suivi le jeu. Oui, le défenseur Mercier, Mario, qui semblait perdre le disque un peu entre ses patins. Et ça a permis justement à l'attaquant des Genois de prendre un tir. Les filons qui avaient quand même bien entrepris la deuxième période, Mario, en pressant le jeu. Et c'est la première attaque des Genois dans cette période. On va chasser le joueur de centre du côté des filons. C'était, je pense, Marcoux qui était là. On va céder sa place et on s'installe pour la mise en jeu. Et au départ, rondelle dirigée au banc des officiels mineurs. On devra reprendre du même endroit, c'est-à-dire dans le cercle de mise en jeu à la gauche du gardien Philippe Bourdage. Les Genois qui ont pris les devants dans ce match 1-0. Et Marcoux qui reprend sa place pour la mise en jeu. Face à Bernard. Bien vu, Pierre. Par la rampe, on tente de dégagement. Ça a failli se transformer en passe pour Mathieu Fortin, mais un peu long pour ce dernier. Sénéchal qui va retourner le disque chez les filons. Rondelle qui longe la rampe. Collision, c'est Chapdelaine qui va crouler après le contact contre Lavoie. Lavoie qui va d'une autre mise en échec, celle-là, sur Mathieu. Sénéchal qui va en profiter pour retourner le disque jusqu'au gardien Bourdage. Et ce dernier, prudemment, voyant que Charles-Antoine Tremblay s'amenait, choisit de conserver le disque. On vient de nous dire, Mario, que les problèmes semblent rétablis pour la deuxième période. Là. Bon, ben, bravo. Donc, on va espérer que ça va continuer. Oui, plus intéressant de cette façon-là. On s'imagine chez vous, mesdames, messieurs. Ouais. Merci d'être à l'écoute. Et on souhaite que vous appréciez le spectacle qui vous est présenté. Les deux équipes qui offrent de l'excellent jeu. Et on gagne centimètre par centimètre, Pierre. Ah oui. Il faut payer le prix. Tout à fait. On est en séries éliminatoires, demi-finale. À l'enjeu ce soir, une place en grande finale du circuit collégial. Et comme le disent souvent les entraîneurs, Mario, il n'y a pas de place pour les passagers ce soir dans ce match-là. Pas du tout. On doit s'impliquer autant d'un côté comme de l'autre. Là. On met l'épaule à la roue. Et c'est disputé d'une façon très serrée, mais on n'est pas surpris, Mario. Toute cette série-là a été serrée. Les matchs, là, pas beaucoup de différence, pas beaucoup de buts d'un côté comme de l'autre. Et je vais profiter d'un prochain arrêt de jeu, Pierre, pour y aller d'une statistique. La fiche à domicile des filons versus la fiche sur la route des Genois. Et on comprendra pourquoi on a un match si serré ce soir.
Ça se déroule derrière le filet de Bourdage. On est à 4 joueurs pour la possession du disque. Ce sera récupéré par Tedford avec une tentative de dégagement qui est annulée par le travail de Potvin à la ligne bleue. Finalement, on s'amène dans le territoire adverse. Bizier, le relais pour... c'était son coéquipier Boisvert, celui-là. Et une solide mise en échec qui va suivre sur cette séquence. Potvin transporte à l'autre bout. Potvin tente de déborder, entraîné derrière le filet adverse. Laisse pour son coéquipier qui va lui retourner. Potvin toujours qui travaille. Ça ira en direction de Gauthier, auteur du seul but dans le match jusqu'à maintenant. Gauthier qui en a inscrit 3 dimanche dernier et revient à la charge ce soir. Nadeau dans son territoire. Rondelle qui va glisser jusqu'à l'autre bout pendant que des changements s'opèrent au banc des Genois. Échange au centre avec disque transporté par Dufour. Un tir du côté bloqueur, c'était par-dessus la cage. Goulet incapable de maintenir l'attaque en vie. Ça va se transporter en territoire des Filons. Mercier, ou plutôt Gagné, voit sa passe interceptée. C'est Deblois qui revient à la charge en compagnie de Gagné. Deblois tire dans le coin, tente de récupérer, ramène le disque devant et dangereusement, c'est finalement sorti de territoire Tedford. À 2 contre 2. C'était Nadeau là, qui contrait le porteur du disque du côté des Filons, Aubert. Aubert qui bataille dans le coin contre Nadeau. Aubert en se retournant tente un tir, c'est raté. Prend son propre retour et la rondelle qui va choir loin dans le filet protecteur. Le coup de sifflet qui se fait entendre. 1-0 toujours la marque. Pierre, je m'en souviens il y a quelques instants. La fiche des Filons en saison régulière. Meilleure fiche du circuit à la maison. 14 victoires, 2 défaites, 1 revers en prolongation, 1 revers en fusillade. Les Genois sur la route, 2e meilleure fiche de la Ligue. 13 victoires, 2 défaites seulement et 1 revers en prolongation. Ouais. Donc, on excelle à domicile du côté des Filons. On excelle sur la route du côté des Genois. Le jeu repris. C'est Bernard qui se lance dans le coin de la patinoire contre Nadeau. Celui des Filons, évidemment, il y a Mathieu Nadeau pour les Filons et Philippe pour les Genois. Pendant ce temps, c'est Bernard qui va tenter de récupérer à l'entrée du territoire des Filons. Perd le disque cependant. Ce sera repris par Dupuis, son coéquipier. Dupuis, il va d'un tir et il n'y aura pas de retour concédé là-dessus. Ça va entraîner une remise en jeu en territoire tedfordois avec 15 minutes 16 secondes à faire à cette deuxième période. Un seul but dans ce match a été inscrit en première période. Oui, par Félix Gauthier. Et Gauthier, si je ne m'abuse, avait pas marqué dans les, je pense, les 2 premiers matchs. Mais là, il a ouvert la machine à partir du match numéro 3. Oui. Lui qui avait terminé 2e marqueur de son équipe cette saison, en saison régulière. Oui, derrière de Blois. Un tir de loin, ça provenait du côté des Filons, du centre de la patinoire et... Rondelle qui est libre jusqu'à l'intervention de Gagné et de Vigneault. Au contact des 2 bâtons, la rondelle se retrouve au banc des Filons. Le jeu à nouveau rappelé. On parlait de Gauthier. Il en a 16 en saison régulière en 35 matchs parce que les Janois ont disputé un match de moins que les 36. Oui, le tout dernier qui n'avait pas d'incidence d'impact sur le classement. On était à 50 points en 3e position. Les Filons, on avait 53 en 2e. Donc, c'était impossible, malgré une victoire, là, de rejoindre les Filons. On n'a donc pas disputé ce dernier match. Et pour compléter, bien, c'est qu'il en a déjà la moitié, 8 en série. C'est le 8e match des Janois en série. Donc, il a ouvert la machine, comme on dit. Oui. Flajol tire de loin. Qui sera là le premier? C'est Chapdelaine, bousculé. Intervention de Flajol. C'est lui qui va saisir le disque. Tente de le remettre dans l'enclave. C'est Mathieu qui était là, cependant, pour recevoir. La remise pour son coéquipier. C'est Chapdelaine, toujours contré par ce même Flajol. Il y a Talbot qui vient prêter main forte à son coéquipier également. Bataille à 4 le long de la rampe. Rondelle qui se déplace légèrement. Et ce sera saisi par Talbot. Un faible tir jusqu'au gardien Bourdage qui choisit de mettre un terme à cette attaque des Genois. Début d'escarmouche, un petit peu de tiraillage devant le filet, mais ça n'ira pas plus loin. Oui. Des changements apportés par l'entraîneur Martin Bernard. Bernard, un entraîneur d'expérience, Pierre, derrière le banc des Filons. Oui. Et cette année, Mario, je remarquais, il y a 3 entraîneurs qui ont joué dans la Ligue nationale, qui sont derrière les buts. On parle de Stéphane Lebois avec les Knoxville. Il y a également, j'y reviendrai, on va laisser le jeu. Prochain arrêt de jeu.
Derrière le filet, c'est Gagné qui est plaqué. Tente de pousser le disque un peu plus loin. Bataille maintenant entre Marcoux et son opposant. Finalement, Rondel qui va revenir jusqu'au centre. De là, ça a touché le patin de Sénéchal en territoire des Genois. Nadeau va tenter le dégagement. Collision, c'est Deblois durement plaqué. Rondel qui est libre dans l'enclave. Les Filons qui veulent frapper à la porte, mais c'est bloqué en défensive. On joue bien, on bloque des tirs du côté des défenseurs des Genois. Rondel qui est saisi par Deblois. Du revers, un dégagement qui va bondir jusqu'au centre. Beau jeu de Mathieu Fortin qui a soulevé le bâton de son rival, mais intervention du gardien Frenette qui voyait le danger s'amener, dégage son territoire jusqu'au centre. Échange entre les deux arrières du côté des Filons. Rondel qui va revenir vers Nadeau en territoire d'Alma. Derrière le filet, Rondel qui est libre et c'est Boisvert qui s'amenait pour tenter de récupérer. Mise en échec de Labrec. Beaucoup plus de pression exercée, Pierre, dans cette deuxième période. On l'a déjà mentionné par les Filons en territoire ennemi. Nadeau, Philippe, revient sur ses pas, jusque derrière son filet. Philippe Nadeau patiente. Des changements en cours par son entraîneur Pascal Hudon. La remise ira vers Sénéchal qui lui retourne le disque. Cette fois sorti de Nadeau du côté droit, tente un long relais pour Tremblay. Vincent qui n'a pu saisir. Ça va revenir jusqu'à Sénéchal. Et à la ligne bleue pour Dufour, on s'échange avec le capitaine Bélanger. Un tir de loin et c'était pas comme un tir haut que Frenette a pu saisir et conserver. Mario, j'y allais avec il y a trois entraîneurs qui ont disputé des matchs dans la Ligue nationale. On parlait de Stéphane Lebeau, Guy Chouinard, et derrière le banc des Filons, l'entraîneur adjoint, Stéphane Fizet. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois-là? Les trois ont vu leur numéro retiré par leur équipe à l'époque où ils jouaient au hockey junior. Ah oui? Ben, ils ont connu de belles carrières. Ben oui, tout à fait. Bernard, au centre. Un relais, c'est en direction de Potvin qui a quitté son poste de défenseur. Un tir qui rate la cage. Ce sera maintenu cependant par Dupuis. Il s'avance. Un tir, c'est bloqué devant le filet. Rondel est libre, toujours en mouvement. Repoussé dans le coin. C'est toujours conservé par les Genois. Un tir de Dupuis, c'est bloqué. Et on va tenter de s'amener du côté des Filons. Gauthier, il n'y a pas beaucoup d'angle cependant. Thomas Gauthier, un relais, mais c'était un peu long pour Simoneau. Contre-attaque cependant du côté de Bernard. Bernard rentre en zone adverse, entraîné dans le coin. On s'y met à deux pour le mettre en échec. Chute de deux joueurs. Rondel qui est toujours libre. C'est débattu derrière le filet de bourdage maintenant. On est à quatre pour la position du disque et ça appartient aux Genois, mais passe interceptée par Gauthier. Relais arrière, accepté cette fois par Simoneau. Il s'amène devant la cage, tire par-dessus le filet. Retour qui appartient à Potvin. C'est pour Tremblay. Charles-Antoine, celui-là. Rate sa remise pour Bernard. Ce sera complété par son coéquipier Lajoie. Lavoie, pardon. On revient à la charge du côté de Thetford, mais Lavoie qui est dans un beau repli intercepte et force les Filons à revenir au centre. Un tir de loin. Sénéchal reçoit les mains de son gardien. S'installe derrière son but. Attendu par Dufour devant le filet. Sénéchal, il va d'une remise sur sa droite. Ça lui revient. Sénéchal dans son territoire. C'est pour Maltais maintenant. Maltais a vu l'ouverture. Ça mène en zone adverse. Laisse pour son coéquipier Tremblay. Un tir partiellement bloqué. Mathieu sur le retour. Et ça revient du côté d'Aubert. Nathaniel Aubert par l'arrière du filet. On approche la mi-deuxième période. Jeu intercepté par Flajol. On l'a fait trébucher. Il y aura punition à Chapdelaine là-dessus. Et les Genois qui vont profiter d'un avantage numérique. L'équipe a eu une occasion en première période sans réussir à capitaliser. Et voici la première occasion en deuxième période. Ouais. Et ça, ben Mario, si jamais on est presque à mi-chemin en deuxième et dans le match, alors si jamais les Genois en profitaient, ça deviendrait difficile pour les Filons. On va devoir travailler d'arrache-pied là, pour vraiment empêcher les Genois de marquer. C'est un moment important. Ouais. Sénéchal, au point d'appui, laisse pour son coéquipier qui va lui retourner du côté de... Je pense que c'est Talbot, difficile de notre point de vue. Là. De l'arrière du filet, on veut surprendre le gardien bourdage. Le retour est libre, ça appartient à Gagné. On retourne vers Sénéchal à la ligne bleue. Et pour... c'était... Je tente d'identifier le numéro du joueur qui a lancé, Pierre. Et... Ben, c'est pas Gauthier? Oui, c'était Gauthier, effectivement. Ben, le chandail est un petit peu retroussé dans retroussé. Le dos, là. De sorte qu'on a de la difficulté à distinguer le numéro 92. L'avantage chez les Genois, c'est qu'on l'a aussi devant le chandail. Et ça m'a permis de voir lorsqu'il s'est tourné que c'était bien Gauthier. Et c'est lui qui va tenter de s'emparer de la mise en jeu. Il y a 23 secondes d'écoulées
au jeu de puissance des Genois. Mise en jeu qui ne fera pas de mètre, mais la rondelle va aboutir sur le bâton de Sénéchal à la ligne bleue. La remise sur sa droite, à la hauteur du cercle de mise en jeu. On veut briser la boîte défensive formée par les quatre joueurs des Filons. Dans le coin de la patinoire maintenant. Relais à nouveau vers Sénéchal. Il se déplace le long de la ligne bleue. À nouveau à sa droite, c'est pour Gauthier. Pressé dans son jeu par l'autre Gauthier, son homonyme. Thomas, celui des Filons. Et le dégagement sera bon jusqu'en territoire des Genois. 1:08 avant le retour dans la mêlée de Chapelaine. Gagné, entre en zone adverse. Laisse derrière lui, c'est pour Deblois. Deblois cherche une option. Ça effleurit le patin de Dufour. Ça revient vers Gagné. Et à Deblois à nouveau. Deblois longe la ligne bleue. Relais pour Gauthier. Gauthier veut attirer Simoneau à lui. Ça ira vers Deblois. À nouveau vers Gauthier. Il est menaçant. Le tir par-dessus la cage. Le retour appartient à Deblois. Encore 42 secondes au jeu de puissance. Sénéchal. Il y a la circulation devant le filet de Bourdage. Retour qui appartient à Gagné. Et maintenant, c'est pour Tremblay. Gagné qui reprend le disque. Le perd. Finalement, ce sera tentative de dégagement annulée dans un premier temps. Puis, à la deuxième occasion, c'est complété. Et on va s'amener les quatre joueurs des Filons au banc. Et on va faire de même du côté des Genois. Il n'y a que Sénéchal qui était demeuré dans les mêlées. Et là, il cède le disque à Dupuis avant de rentrer au banc à son tour. Dupuis, parce qu'il ne trouvera pas preneur, sinon sur le bâton de Mercier qui va d'un autre dégagement. Talbot, pendant ce temps, récupère. Contourne son filet. Et dans quelques instants, on sera de des Filons. C'est fait. Punition complétée. On est avec des formations complètes. Bernard tente une remise en direction de Talbot. Ça ira dans le coin où ce sera saisi par Mathis Dufour. Tente le long de la direction qui va laisser celui-là pour Aubert. Aubert freine sa course. Un tir qui va rater. Dufour s'empare du retour. C'est hors cible. À la ligne bleue, le tir de Mercier. À nouveau, on rate la cage et dangereusement la rondelle qui a roulé dans le demi-cercle du gardien. Contre-attaque à 3 contre 2. Talbot en contrôle. Laisse pour Flageol. Le tir de ce dernier, l'arrêt. Et c'est Bourdage qui aura le dernier mot là-dessus. Ouais. De belles occasions de chaque côté, mais on a raté le filet à quelques occasions du côté des Filons. Et je dirais, Mario, le fait que, bon, il ne faut pas se le cacher, les Genois sont parmi, là, sinon, la meilleure défensive du circuit. Et on joue tellement serré que c'est difficile pour les Filons de bien exécuter, de prendre des bons tirs au but. Oui. 8:17 à faire en deuxième période. Les Filons qui tentent de créer l'égalité, les Genois mènent 1-0. Cinquième match de cette série demi-finale, 3-5. Le gagnant s'en va en finale. Vigneault, la remise complétée par son coéquipier Dufour. Le tir, ça rate la cage, c'était de la part de Lavoie. Et le dégagement va suivre jusqu'au centre. Sénéchal, en direction de son coéquipier Côté. Ça va glisser jusqu'au pied du gardien des Filons. Intervention de Dufour du côté des Genois. Ça revient vers Aubert, pourchassé par ce même Dufour. Aubert qui retourne en direction de Gagné. Ça va plutôt glisser jusqu'à Mathis Dufour. Là, il y a Mathis et Mathiel de chaque côté là, qui sont sur la surface de jeu en ce moment. Vigneault, la remise a touché le patin de Gauthier. On revient à 3 contre 2 du côté de... Ça touche le bouclier. Le bloqueur du gardien Frenette. Retour derrière le filet. On va tenter la sortie. Pression exercée par Tedford. Un tir. Ça rate le filet. Le retour est libre. Qui sera là le premier? C'est Boisvert qui contre Lavoie. Rondelle qui retourne derrière la ligne des buts. Sénéchal contré. Collision avec Labrec. Et la rondelle qui va échapper à la ligne bleue. Ça va glisser jusqu'en territoire tedfordois. Des changements commandés au banc du côté des Genois. On revient à la charge du côté de Tedford, mais la passe qui manquait de précision et ça va permettre à Gagné de revenir en territoire tedfordois. À Gauthier, il contourne le filet. La remise est bonne. À la ligne 2, c'est pour Deblois. S'avance, cherche une ligne de tir et ça a été bloqué devant le filet de Bourdage qui n'avait rien vu. Cherchait le disque au centre. Repli de Gagné pour laisser à Dupuis maintenant. Jeu intercepté par Mathieu. Et on va retourner le disque derrière le filet de Frenette. Intervention de celui-ci au profit de son défenseur et capitaine. Pour Charles-Antoine Tremblay. Pousse pour lui-même, mais sera sans doute devancé par Bélanger. Mais Bélanger qui n'a pu cueillir le disque. Ça a été fait par son rival. Relais à la ligne bleue pour Potvin. Un tir partiellement bloqué. Ça revient du côté des Genois et on sera forcé de revenir au centre.
Enjeu, retardement annulé avec la sortie du dernier joueur des Genois qui était à l'intérieur du territoire. Moins de 6 minutes à faire à la deuxième période. Toujours un seul but inscrit dans ce match. L'œuvre de Félix Gauthier. Les Genois qui sont en avance 1 à 0. Rondelle qui va glisser jusqu'au centre. Ça revient à Bélanger dans son territoire. Bélanger pourchassé par Tremblay. Un relais pour Boulet. Et au centre, à Dufour, Justin Dufour qui se lance à l'attaque. Un tir qui rate le filet. Le retour entre Sénéchal et Fortin. C'est Sénéchal qui va saisir le disque par la rampe. Ce sera pour Lavoie maintenant. Sortie de territoire, Lavoie plaquée devant le banc des filons. Jeu intercepté cependant par Bernard. Dans l'enclave, feinte de tir, ou plutôt tentative de tir sur réception. Ça a été raté de la part de Tremblay. Ça revient derrière le filet. Vers Dufour, Justin Dufour maintenant pour son coéquipier défenseur, capitaine Bélanger. C'est maintenu à la ligne bleue, un tir bloqué. C'est maintenu en territoire de Thetford. Boulet maintenant, tente d'échapper à son poursuivant. Rondelle qui est bloquée en défensive. On se sacrifie du côté des Genois. Au centre maintenant, à Charles-Antoine Tremblay. Loin. Qui sera là le premier? C'est Maltais. Ça va forcer Mercier à revenir derrière son filet. Mercier plaqué. Intervention de Talbot également. Talbot qui maîtrise bien le disque. Tente de le remettre. C'est fait sur réception. Le tir de Flajol, c'est bloqué. Flajol va retourner en direction de Maltais. Du revers à l'intention de Talbot, mais finalement, intervention de Simoneau qui ne peut sortir cependant de son territoire. L'attaque se poursuit du côté des Genois. Et on veut ramener le disque devant. C'est beau travail de Flajol derrière le filet. Flajol qui est contré dans son jeu. Et finalement, les filons vont tenter la sortie. Et jusqu'au centre, c'est Simoneau qui n'a pu saisir le disque. Au tour de Félix Gauthier de revenir à la charge. Avec Flajol maintenant. Flajol tire dans le coin. Talbot derrière le filet, s'empare du disque. Talbot veut échapper à la surveillance de Mercier. Revient à la hauteur de la ligne bleue. Toujours Talbot. Un tir et ça a passé à quelques centimètres à la droite du filet de bordage. Simoneau sur le retour. Ça mène au centre. Les Genois là, qui ont envahi le territoire des filons au cours des derniers instants. On va en profiter pour effectuer les changements du côté de l'entraîneur Martin Bernard. 3 minutes 26 à faire à la deuxième période. 1 à 0, les Genois qui conservent leur avance. Aimeraient bien ajouter, tandis que les filons, eux veulent créer l'égalité. Le tir de Gauthier, c'est venu tout près. Oh, il avait la partie supérieure du filet. Est-ce que ça a touché le poteau? Je pense que oui, avant de bondir chez les spectateurs. Ben là, belle chance ratée par les Genois, Mario. On va reprendre à la droite du gardien Philippe Bourdage. Les enjeux importants, c'est gagné par côté du côté, pardon, sans jeu de mots, pour les Genois. Le tir, c'est repoussé par Bourdage. Talbot, contré, côté bataille avec Gagné. Et par la rampe, ce sera un dégagement jusqu'au centre. Ça va se transformer en passe pour Goulet. Goulet qui veut échapper à la surveillance de son rival. Je pense que c'était Nadeau. On tente de s'installer du côté des filons. Un tir repoussé habilement par Frenette. C'était pas commode celui-là. Un long rebond qui va glisser au centre. On retourne le disque jusqu'à Sénéchal. Revient derrière son filet. Sénéchal, attendu par Aubert, attend le passage de Bernard. Conserve cependant le disque et va le relayer pour Nadeau qui lui retourne à Sénéchal. Un long relais au centre, c'est saisi par Chapdelaine, par la rampe à l'intention de Bizier qui n'a pu prendre le contrôle de celui-ci cependant. Vers Bernard derrière. Relais à Sénéchal, toujours dans son territoire. Au centre, Bizier qui va retourner chez l'adversaire. Sortie de Frenette derrière son filet. Ça a touché son coéquipier et c'est finalement Tremblay qui va venir à la rescousse de tout ce beau monde avec Lavoie qui entre en zone adverse. Stoppé dans son élan. On revient du côté des filons. C'est saisi par Labrec, mais beau repli de Dupuis qui tente de relancer. C'est fait. La passe pour lui-même. C'est accepté en compagnie de Lavoie. Lui essaie de le disque. Le tir de Lavoie et c'est habilement dévié en défensive par les filons. Là, un contact après le coup de sifflet. On a des reproches à adresser aux joueurs des filons. Il y a un joueur des Genois là, qui est resté étendu sur la patinoire. Alors que, justement, la formation d'Allemagne
était en possession du disque. On a pris une bonne séquence là. 1 minute 42 à faire dans cette deuxième période. C'est Dupuis et Mario qui se relèvent, mais devraient être en mesure de poursuivre. Oui. Un élément important dans l'alignement des Genois. Oui, c'est lorsqu'il est arrivé en contact avec le joueur des Filons. Là, donc, il y avait peut-être un bâton un peu élevé, mais rien de dommageable. Dupuis qui est le capitaine des Genois, un excellent défenseur, Mario. Oui. Il en a prouvé encore une fois ce soir. Il est un élément important. Au départ, c'est un tir de Gauthier qui a raté la cage. Ça va maintenu cependant par Potvin. Sénéchal à son tour. Et pour gagner, derrière le filet, un tir d'un angle fermé. Le retour concédé dans le coin. Les Filons là, qui sont incapables de sortir de leur territoire. On tente de remettre pour Dufour. Il ne s'y attendait pas. Finalement, Dufour réussit à échapper à son opposant. Rondelle qui va glisser jusque derrière le filet de Frenette. Sénéchal, plaqué par Gauthier. Le joueur des Filons, Thomas, celui-là. Rondelle qui est immobilisé. Nadeau veut pousser un peu plus loin. Mathieu Nadeau du côté de Thetford. Nadeau avec le disque. Le relais à la ligne 2 pour son capitaine Bélanger. Le tir, ça rate le filet. Et le rebond contre la rampe qui a failli revenir déjouer le gardien. Et la rondelle qui va échapper à Bélanger. Ça va forcer la sortie du gardien Bourdage jusque devant son filet. Il va retraiter dans son demi-cercle pour immobiliser le disque. Les Genois, Mario, qui l'ont échappé belle là, là-dessus parce que on aurait pu marquer une rondelle qui est devenue libre, mais heureusement pour le gardien Frenette, là, il a pu mettre la mitaine. Alors qu'on bataillait ferme, là, ça a été une sortie de territoire. Rondelle qui a fait un mauvais bond. Pelletet, elle est mise en jeu face à Aubert. Ça ne fera pas de maître et Maltais va quand même s'emparer du disque. C'est intercepté cependant par Goulet. La remise à Dufour. Et encore une autre fois, une rondelle qui va quitter la surface de jeu. Déviabilement, comme on le rappelle régulièrement. Ce sera au tour des Filons de bénéficier d'une remise en jeu en territoire offensif en cette fin de deuxième période. 34 secondes, 8 dixièmes à faire. Le moins qu'on puisse dire, Mario, c'est que d'un côté comme de l'autre, on met tous les efforts possibles. On n'abandonne pas. Les enjeux qui est déposé, c'est Philippe Nadeau qui tente le dégagement. C'est neutralisé. Deblois, il va lui venir en aide et avec le patin, pousse jusqu'au centre. De là, on va retourner l'adversaire chez lui. Avec Sénéchal. À Sénéchal. Les Genois qui aimeraient bien écouler les 15 secondes restant à la période. Et Dufour, Mathis, le joueur des Filons, ne l'entendait pas ainsi, ne voulait pas justement laisser s'écouler ces précieuses secondes. Force la sortie de territoire et c'est ainsi que ça va se terminer. Il n'y aura pas eu de but d'inscrit dans cette deuxième période. Mais à la marque, après 40 minutes de jeu, les Genois sont en avance. 1-0, un précieux but inscrit en première période. Et c'est ce qui fait la différence jusqu'à maintenant dans le match. Oui, donc une troisième période qui va être des plus intéressantes. Et j'ai l'impression qu'on va avoir tout un spectacle. Alors que le prochain but va devenir d'une importance capitale, Mario. Oui. Pierre, on s'arrête pour quelques minutes. Demeurez là, bien à l'écoute, bien installé, pour ne rien manquer de cette troisième et peut-être décisive période dans ce match ultime, le cinquième de la série. Demi-finale 3-5 entre les Genois d'Alma et les Filons de Thetford en direct du Centre Mario Gosselin à Thetford Mines. On est de retour dans quelques minutes.
Les officiels qui font leur entrée sur la patinoire sont suivis dans quelques instants par les joueurs des deux équipes. On s'apprête à entreprendre la troisième période de ce match. Une des deux équipes, Pierre, qui livrera sans doute à moins de prolongation cette toute dernière période de la saison. Dans un camp comme dans l'autre, on veut prolonger cette saison-là et atteindre la grande finale. Exactement. Et c'est souvent dans ces occasions-là que les grands joueurs se lèvent. Est-ce qu'il y en aura un en troisième période qui réussira à le faire? C'est ce qu'on verra. Exactement. Et jusqu'à présent, ben, c'est un match serré. En première période, il y avait eu 11 tirs contre 7 à la faveur des Janois. 10 contre 8 à la faveur des Filons en deuxième période. De sorte que c'est 19 à 17 à la faveur des Janois au chapitre des tirs au but après 40 minutes de jeu. Et là, ben, c'est une période déterminante. On sait que les Filons n'ont pas perdu à domicile en série. Non. Et du côté des Janois, ben, on n'a pas gagné à l'étranger face aux Filons, ouais. Mais ben, ils ont une chance et on verra. Les deux équipes qui vont tout donner, Mario. Ouais. Il y a une expression en anglais qui dit « do or die », là, ouais. Ce sera le cas. C'est une mission de la dernière chance pour les deux équipes. Et c'est parti en troisième période. Disque récupéré dès le départ par Aubert. Sa remise pour à l'entrée du territoire. Lorsque sa remise vers Mathis Dufour est appelée hors-jeu, ce dernier qui avait devancé la remise. On va reprendre tout juste à l'entrée du territoire des Janois. Mise en jeu remportée par Tedford. C'est Mathis Dufour pour Nathaniel Aubert. Tire de loin. S'allonge l'arrière du filet. Nadeau en direction de Garnier, mais c'est intercepté par Goulet. La remise à la ligne bleue. Un tir bloqué et le dégagement va suivre jusqu'à la ligne bleue. Des Filons hors jeu. Oui, la rondelle qui avait quitté le territoire et le juge de ligne bien positionné. Rappelle le jeu. Deblois est encore dans le territoire lorsque la rondelle est sortie et qu'on a justement remis dans le territoire des Filons. Donc deux hors-jeu, une deuxième période qui s'est déroulée assez rapidement. Et là, ben déjà deux arrêts de jeu dans les 28 premières secondes. Oui. Un tir du centre. L'arrêt avec le bloqueur de Bourdage, c'était hors-cible, mais aucun risque à courir pour le gardien des Filons. Et ça ira jusqu'à Gauthier, au centre. Laisse sur sa gauche à Dufour, un tir. L'arrêt avec la jambière. Le retour appartient à ce même Dufour qui s'est porté à l'attaque, remise dans l'enclave, mais c'était un joueur des Janois qui était là et s'est transporté rapidement par Lavoie. Une feinte devant le défenseur Bélanger. C'est Nadeau qui tente de récupérer, mais Bernard qui va l'en empêcher. Dufour pour son coéquipier Bélanger dans le coin de la patinoire. Par la rampe à l'intention de Simoneau qui rate sa remise. C'est Vigneault qui veut retourner le disque chez les Filons. C'est bataillé devant le banc des Janois en ce moment. Quatre joueurs pour la possession du disque. La rondelle qui est immobilisée. Finalement, ça va bondir en territoire de Tedford. Gagné va s'amener dans le coin, alors que Bélanger et Simoneau rentrent au banc des leurs pour des changements. Gagné qui patiente, attend l'arrivée de ses coéquipiers. Sorti du côté droit, Gagné remet pour son coéquipier un tir du centre de la patinoire. Relais derrière le filet de Frenette. On tente de ramener le disque dans l'enclave et c'est le dégagement jusqu'au centre. Mercier qui va retourner le disque chez l'adversaire. Ça revient haut. Mauvaise remise de défenseur Nadeau. Il a failli surprendre son gardien et ça permet à l'attaque des Filons de se poursuivre avec Bizier qui travaille dans le coin. Reçoit l'aide de Boulet maintenant. Il y a Côté qui tente de nuire au travail des deux joueurs des Filons. Côté qui voudrait bien soutirer le disque. C'est intercepté cependant par Sénéchal et le dégagement jusqu'au centre. Mercier qui va retourner la rondelle bondissante cependant jusqu'au pied du gardien Frenette. 2:10 découlées dans cette troisième période. Gagné à sa propre ligne bleue. Traverse le centre. Retourne la rondelle chez l'adversaire. Hors-jeu à retardement. On doit attendre la sortie de Marcoux. Marcoux qui ne semble pas être conscient de la situation. Ça permet la sortie de territoire des Janois. Entrée en zone adverse. À l'intention de Côté derrière le filet. Et c'est immobilisé contre le but par le gardien Philippe Bourdage. Avec 2:33 découlées à cette troisième période. Les Filons qui n'ont d'autre choix, Pierre, que d'ouvrir la machine. Exactement.
Et ça, ben, quand on ouvre la machine, Mario, ben, des fois, ça donne des situations pour l'équipe adverse. Oui. Et du côté des Genois, Pierre, ben, on ne peut pas non plus. Et là, je croyais qu'il y avait une pénalité qui serait appelée, mais ce n'est pas le cas. Les Genois ne peuvent pas se permettre non plus de commencer à défendre cette avance-là, Pierre. Ils doivent également maintenir leur attaque. Dupuis, c'est pour Potvin. On va tenter la sortie de territoire. Par la rampe, c'est réussi jusqu'à Flageol. Sortie du gardien Bourdage. Tente de remettre, mais c'est Maltais qui, dangereusement, a failli rejoindre un coéquipier devant le filet. Je dis dangereusement pour les Filons. Sortie hasardeuse de Bourdage derrière sa cage. Cette fois, c'est derrière le filet de Frenette. Rondelle qui ira en direction de Flageol, plaquée par Chapdelaine. Rondelle qui sera dégagée jusqu'au centre. À Bélanger, doit attendre la sortie de son coéquipier. C'est fait. Les joueurs rappelés au banc du côté des Filons. Intervention de Mathis Dufour. La rondelle est libre, puis ça lui échappe. Ce sera maintenu cependant par Justin Dufour. Dans l'enclave, rondelle qui est bon du centre. Ça échappe au gardien. On tente de le tirer sur réception. Et c'est raté. Une belle chance là, qui s'est offerte au Filon. Exactement, Mario. On a tenté la passe devant le filet, mais comme on dit, les Genois qui jouent vraiment serré en défensive. Donc, on doit exécuter rapidement du côté des Filons, mais belle chance ratée. Au retour, c'est Sénéchal. Laisse pour son coéquipier qui va amorcer la sortie de territoire. Un long relais, c'est accepté par Gagné qui s'amène. Il va d'une feinte, mais perd le disque. Et ce sera dégagement jusqu'au centre. Ça revient vers Sénéchal. Derrière le filet, Dufour est Gagné pour la possession du disque. Gagné qui pousse un peu plus loin. Arrivée de Gauthier et on dit passe avec la main. Oui, Gauthier qui avait rabattu, Gagné avait rabattu le disque avec sa main. Et c'est devenu une passe pour Gauthier. Gauthier Félix, l'auteur du seul but dans ce match. C'est ce qui fait la différence. En première période. C'est lui, Gauthier, qui s'installe à la mise en jeu face à Aubert. Aubert va l'emporter. Tente de percer entre les deux défenseurs. Ça mène en territoire adverse. Aubert qui freine. Il va d'un tir. L'arrêt. Le retour qui est concédé. Et ça va échapper à Bélanger. Ça a glissé entre les deux défenseurs. Tedford-Dois. Bélanger revient derrière son filet. Pourchassé par Deblois. Doit se défaire du disque. Le remet pour Justin Dufour. Dufour rentre en zone adverse. Décoche un tir. Encore une fois, un retour concédé par le gardien Frenette. Et le dégagement qui va glisser à l'autre bout. Ce sera accepté cependant. Gagné, plaqué, tente de conserver le disque, mais ce sera fait par Charles-Antoine Tremblay. Sa remise pour Bernard vers Lavoie maintenant. Aubert, qui ne peut saisir, ce sera fait par Dupuis à la ligne bleue. La rondelle qui a quitté le territoire, oui, tout juste sous les yeux du juge de ligne. Allez, les Filons qui ratent de belles occasions, Mario. On n'est pas capable de trouver, encore une fois, l'énigme du... Le gardien Frenette des Genois, qui a été parfait jusqu'à présent après 40 minutes du jeu sur 17 lancés. Mercier, sans perdre du disque derrière son filet. Mercier, un relais accepté par Gauthier. À Simoneau maintenant, relais arrière pour Nadeau. Le tir, c'est bloqué. Rondelle qui est rabattue au vol. Ça revient vers Nadeau, mais... Intervention défensive du côté des Genois. Rondelle perdue chez les spectateurs avant de revenir sur la surface de jeu, mais elle avait quitté momentanément. Et on devra demeurer prudent et surtout discipliné des deux côtés. Trois punitions seulement depuis le début de la rencontre. Exactement. Et personne n'en a profité. Deux jeux de puissance pour les Genois, un seul pour les Filons. On l'avait dit, il faut éviter le banc des pénalités. Et ces unités spéciales, Pierre, elles ont été importantes depuis le début de la série. Tout à fait. Donc, trois buts de la part des Filons, mais six par les Genois. Oui. Nadeau, c'est perdu. Ça revient du côté des Filons. On tente de rejoindre le devant du filet, mais il n'y a pas beaucoup d'angle. La rondelle est dans le demi-cercle du gardien. On bataille du côté de Bizier, mais rondelle repoussée le long de la rampe. Contact de deux bâtons, la rondelle qui vole dans les airs. Ça revient en direction de Boulet. Et finalement, c'est Dufour, Mathiel pour les Genois qui va dégager son territoire. Gagné par l'arrière du filet. À l'intention de Mercier pour chasser le relais qui va manquer de précision pour gagner. Ça va lui revenir au centre maintenant. Boulet plaqué. Sortie de Frenette derrière son filet. La remise est pour Sénéchal. Va retourner pour son coéquipier Nadeau. À Sénéchal, à nouveau.
14 minutes 7 à faire en troisième et peut-être ultime période dans ce match. Labrecque revient à la charge. Laisse du côté droit. On tente de rejoindre le devant du filet. Intervention défensive. C'est Sénéchal à nouveau qui dispute un bon match pour les siens. Talbot en se retournant. Talbot qui retarde sa sortie. Une remise qui ira vers Sénéchal. Revient sur ses pas pour chasser. À nouveau vers Nadeau maintenant. Et au centre, on visait Flajol. Il était étroitement surveillé. Bataille devant le banc des siens. Ça y appartient à Marcoux maintenant. Marcoux pour son coéquipier Aubert, ou plutôt Fortin. Fortin qui va d'un échec avant, pardon, sur Sénéchal. La rondelle qui va quitter le territoire. On devra se regrouper au centre. Mathieu laisse pour son coéquipier. Et ça revient vers Marcoux, mais remise arrière, c'était Talbot qui était là pour s'emparer du disque. La remise qui bondit par-dessus le bâton de Maltais. Ça force les filons à revenir dans leur territoire. Mauvais relais au centre. Et de là, les Genois vont retourner les filons dans leur territoire. Des changements commandés au banc des Genois. Flajol pendant ce temps-là. Il coule de précieuses secondes pour les siens. 12 minutes 55 à faire à la troisième période. La rondelle qui sera reprise par Flajol. Cherche une option, retourne le disque derrière. C'est à l'intention de Deblois qui contourne le filet. Deblois travaille sur son revers en se retournant. Un tir qui passe devant le gardien. Boisvert va tenter la sortie. Gauthier va maintenir le disque cependant en territoire des filons. C'est pour Chapdelaine cette fois, pourchassé par Gagné. Laisse pour son coéquipier. Et finalement, c'est Boisvert qui va permettre aux siens de respirer et organiser une attaque qui sera aussitôt interceptée au centre. On revient à la charge du côté de Talbot. Une belle feinte. Gagné, pardon, le tir. Et c'est... Bourdage qui fait l'arrêt. Et Gagné, Mario, qui a évité la mise en échec numéro 15, le Chapdelaine. Et ça a permis de prendre un tir. Bel arrêt de Bourdage là-dessus. Et c'est important que Bourdage garde les siens dans le match. Ouais. Mise en jeu qui est déposée. C'est Goulet qui remet un peu plus loin à Mathis Dufour. Dufour, il en a inscrit des buts importants depuis le début de la saison. Dans le coin. Ça revient vers Aubert. Aubert perd aux mains de son rival. C'est intercepté cependant par Goulet. Et du centre, un dégagement réussi par les Genois. Ce sera repris par Bélanger. Échec avant de Lavoie. Les Genois là, qui pratiquent un échec avant serré. On presse les défenseurs des filons. Contre-attaque Tedford qui s'organise avec Aubert en zone adverse. Aubert, la remise, c'est précis. Le tir qui tarde à venir et la rondelle qui est toujours libre dans le demi-cercle bleu et le coup de sifflet qui se fait entendre. Et Mario, ouais. On n'a pas levé le bras du côté des officiels. Il ne semble pas y avoir d'infraction d'appeler. On a menacé, encore une fois, on a l'impression que les filons, Mario, en deuxième période, à deux reprises, là où qu'on a menacé, on n'est pas capable d'acheter un but. Frenette qui est solide devant sa cage. Et on... sera en mesure de reprendre. Oui. On a décidé du côté des officiels. On laisse jouer. Oui. Mais là, ben, on aurait bien aimé du côté de Tedford d'obtenir un jeu de puissance là-dessus. Le capitaine Bélanger qui demande des explications à un des deux officiels alors qu'on va s'installer pour la mise en jeu à la droite du gardien Olivier Frenette qui a été parfait jusqu'à maintenant. Solide dans cette série. Autour de Martin Bernard au banc des filons de demander des explications à l'officiel. Ouais. C'est ce qui explique le délai avant de reprendre le jeu. Et on sera en mesure de reprendre. On s'installe et on est prêt. À la mise en jeu, c'est remporté par les filons. Un tir de Simoneau, ça a été bloqué. Le retour à la ligne bleue. On revient à la charge et c'est de cette façon, Pierre, que les filons peut-être réussiront à marquer le but qui créerait l'égalité. C'est de mettre de la circulation, Mario, et tenter de prendre un retour. À chaque fois qu'on s'est approché du gardien, on n'est pas capable. Il n'y a pas vraiment de retour de loin. Donc, ça devient toujours plus difficile. Comme je te le mentionne, les Genois là, qui jouent très serré en défensive protègent bien leur gardien. Mise en jeu remportée, celle-là, par Deblois. Échec avant de Bélanger pour éviter la sortie territoire des Genois. Ça revient du côté de Gagné, plaqué à son tour.
La foule qui réagit, on a aimé la mise en échec appliquée par le joueur des Filons et ça a forcé le dégagement des Genois jusqu'à l'autre bout. Ce sera accepté cependant. Bélanger s'arrête derrière son filet. Relance l'attaque rapidement. C'est Gauthier qui se contente de faire dévier en fond de filet avant de retourner au banc des siens. L'attaque se prolonge du côté de Boulet. Chute, laisse derrière lui. Ça ira à la ligne bleue à Mercier. Un tir qui est touché par Gagné avant de bondir dans le filet protecteur. Donc, encore une fois, on presse du côté des Filons. La défensive est venue en aide au gardien Frenette en faisant des vieux tirs dans le filet protecteur. Du côté des Genois, on aimerait sans doute être capable de générer un petit peu plus d'attaque là, en troisième période. On est davantage la cible des Filons. Dupuis, la remise est pour Dufour qui se contente d'un dégagement jusqu'au centre. De là, Gagné va retourner le disque chez l'adversaire. Le capitaine Dupuis vers Mathiel Dufour. Dégagement à la ligne bleue des Filons. Bizier par l'arrière de son filet à l'intention de Mercier. Il a aperçu Boulet au centre. C'est lui qui saisit sur son revers. Tente de déborder le défenseur Dupuis. N'y parvient pas. Bousculade le long de la rampe. Et Dupuis, il va d'un lob jusqu'au centre. Mercier retourne le disque un peu plus loin, mais c'est saisi par les Genois derrière. Un tir d'un angle fermé et Bourdage qui aura le dernier mot. Ne cède pas de retour là-dessus. D'un côté comme de l'autre, on prend bien soin de notre gardien. On évite justement les joueurs adverses de s'approcher trop près. On évite rapidement. Les très nombreux spectateurs réunis ce soir au centre Mario Gosselin qui n'ont pas eu beaucoup d'occasion de manifester, du moins ceux qui encouragent les Filons. Oui. Il y en a plusieurs également du côté des Genois, on l'a dit, qui ont fait le voyage jusqu'à Thetford. Aujourd'hui. La température le permet présentement. Oui. Un tir de loin. Ça bondit jusqu'à Dufour, en territoire de Thetford. À Boisvert maintenant. Boisvert entre en zone adverse. Par la rampe, c'était pour son coéquipier Fortin qui tente de remettre devant et ça faillit surprendre le gardien. Frenette, ça va s'arrêter à ses pieds. Frenette qui ne bronche pas. Solide. Oui. On a dépassé la mi-période de Mario jusqu'à présent et toujours 9 minutes 49 à faire. Il y a un seul joueur qui a réussi à loger la rondelle derrière un gardien. Et c'est Félix Gauthier du côté des Genois. Et les Filons, comme on le mentionnait, qui n'ont pas subi la défaite en séries éliminatoires à domicile, ben, ne voudraient pas que ce soit la seule qui serait fatale. Oui. Au centre, Aubert, relais arrière, ça lui revient. Nathaniel Aubert, mise en échec par Deblois. Repli cependant de Justin Dufour pour remettre à Bélanger. Et vers Mathis Dufour maintenant. C'est son adversaire du côté droit, un tir qui rate la cible. Flageol sur le retour, Flageol. Une remise qui sera saisie par son coéquipier Gauthier, mais escarponnée par Bélanger. Ça va permettre la relance de l'attaque du côté de Thetford. Intervention défensive cependant, mais ce sera un dégagement refusé cette fois. Alors que Sénéchal a dégagé jusqu'à l'autre bout. 9-11 à faire pour tenter justement d'inscrire ce fameux premier but. Et on doit se poser des questions, quoi faire du côté des Filons pour parvenir justement à trouver le fond du filet. C'est sur la ligne que ça se joue. Ouais. Simoneau, dans le coin de la patinoire. Réception du revers, ça ira jusqu'à Chapdelin à la ligne bleue. Chapdelin, un tir, il y avait de la circulation devant Frenette qui effectue l'arrêt. Et son retour qui va être saisi par un coéquipier. Ça permet de s'amener en territoire de Thetford. Le tir de Flageol, l'arrêt de la part de Bourdage, c'était pas commode ça non plus. Oui, on a commis un revirement du côté des Filons et on a immédiatement pris un tir sur Bourdage qui veillait au grain. Bel arrêt du gardien des Filons. Faudra d'un côté comme de l'autre minimiser les revirements d'ici la fin. Oui. Et on va de plus en plus jeter un coup d'œil au cadran. 8 minutes 47 à écouler. Dans cette troisième période. Ça s'écoule quand même assez
rapidement. Du côté des Filons, on va trouver que ça se déroule rapidement. Ouais. Et les Genois, eux, aimeraient bien que ça se déroule encore plus vite. Sans doute, oui. Flageol, en se retournant, ça a été touché par Chapdelaine qui contourne rapidement son filet. Rattrapé cependant par Côté qui le met en échec. On va retourner le disque en fond de territoire. Échec avant de Flageol au dépens de Gagné. Il veut se défaire du disque. Ce sera maintenu par Dupuis. Son tir à lui a été touché et ça va bondir de l'autre côté de la baie vitrée. Ça va permettre aux deux entraîneurs d'apporter des changements à leur formation. Ouais. L'équipe qui va sortir vainqueur ce soir se retrouve dans la grande finale face aux Patriotes de Saint-Laurent. Alors que ce sera fin de saison pour l'autre équipe. Ouais. Bernard qui l'emporte à la mise en jeu. Le tir de la ligne bleue. Ça a été touché devant, récupéré par Lavoie derrière. Collision avec Bizier. Dufour qui va d'une mise en échec aux dépens de Bernard. À nouveau, rondelle qui est débattue. Fortin s'en empare. Laisse à Boulet maintenant. Il est au centre. Un tir de loin. Et l'arrêt de Frenette. Encore une fois, un tir haut, Pierre. Ouais. C'est pas facile pour un gardien. Frenette qui devait conserver le disque en sa possession. Les deux équipes qui en débattent dans un cinquième match dans cette série. Bélanger, dans le coin de patinoire, derrière le filet, à l'intention de Bizier. Bizier qui voit sa passe interceptée devant. C'est le juge de ligne qui a levé le bras, je m'excuse. Je croyais que c'est l'officiel qui a appelé une punition au filon. Sortie de territoire, Thetford, autour de Aubert. Dégagement, ça revient en direction de Justin Dufour dans son territoire. La remise pour Mathieu Fortin. Les deux 19 qui bataillent pour la possession du disque. Bernard, finalement, ça ira à Aubert. Aubert qui tente de revenir devant le filet, veut couper. Chute et ce sera dégagement jusqu'au centre. Gagné. Va profiter de la séquence actuelle. Il y a des joueurs des Genois qui sont dans la mêlée depuis un bon moment. Ça va permettre justement à deux d'entre eux de rentrer au banc des leurs. On revient à la charge du côté de Thetford. Avec Goulet cette fois. Goulet, l'angle se referme, contourne le filet, cherche une option. Ça ira à la ligne bleue à Chapdelaine. Un tir complètement raté. Le retour est libre dans le coin. Qui sera là le premier? C'est Dufour qui tente le dégagement, mais neutralisé à deux occasions. Et Aubert conserve. Aubert, un tir. L'arrêt, le long retour concédé dans le coin. Dufour, des Marquis, des Genois qui va dégager jusqu'au centre. Ça revient vers Gagné. Au centre, à Aubert, et finalement, c'est Mathis Dufour qui va rentrer au banc des siens. Ça va permettre l'attaque de l'autre 27, de Blois, celui-là. Et le retour maintenant vers Gauthier. Un tir dévié dans le coin. Gauthier, mise en échec sur Chapdelaine. Chapdelaine tente de lui échapper. Intervention également de Mathiel Dufour. Aubert maintenant. Aubert dans son territoire. Relais vers Gagné. Et au centre, on visait Simoneau qui n'a pu saisir. Et ce sera un dégagement qui sera refusé aux joueurs des Filons. Oui. On a raté une belle occasion, mais on tentait le long jeu. Ça n'a pas réussi. Donc on va devoir reprendre dans le territoire à la gauche du gardien Bordage. Ce sera entre Côté et Aubert. Et là, de plus en plus, on va employer ses meilleurs éléments d'un côté comme de l'autre. Qu'on appelle couper le banc. Ce sera sûrement fait pour les 6 minutes 16 restantes. Gagné. Il avait perçu Simoneau, mais la passe était un peu longue pour ce dernier. Gagné reprend. Gagné bataille au centre contre deux rivaux. Finalement, c'est Flageol qui va s'amener en territoire adverse. Flageol encerclé par Gagné. Ça permet à Nadeau, Mathieu, de récupérer pour les Filons. Dégagement au centre devant le banc des Filons. Gagné qui protège le disque devant Flageol. Toujours devant le banc de l'équipe locale. C'est Bélanger maintenant qui remet à Chapdelaine. Chapdelaine avait perçu son coéquipier Gauthier tenter de lui refiler le disque, mais ce dernier était étroitement surveillé par Flageol. Intervention de Potvin derrière son but. À Flageol, plaqué par Gauthier. C'est Nadeau qui va reprendre. Relais arrière, le tir de Simoneau. Le retour qui est concédé à Gauthier. La rondelle échappe au gardien et le coup de sifflet qui se fait entendre. Le filet qui n'a pas été déplacé pour autant. J'ai l'impression que l'officiel a perdu le disque de vue. Je ne vois pas d'autre chose, Mario, parce que là, la foule là, qui manifeste,
Et je suis d'accord avec toi, là, il n'y a pas eu rien. Là, qui, le gardien n'avait pas possession du 10 non plus. Les partisans mécontents. Ouais. Aurait bien aimé que l'attaque se poursuive pour les Filons. Une autre mise en jeu importante pour la troupe de Martin Bernard. Celle-là gagnée par les Janois. Lavoie dans son territoire. Par la rampe, un dégagement qui va bondir jusqu'en territoire de Thetford. Bélanger, pourchassé par Tremblay. Ça ira vers Dufour. Dufour veut remettre à son coéquipier, mais intervention cependant de l'adversaire. Ça va revenir jusqu'au centre. Et de là, un tir dirigé, repoussé par Bourdage. Pour Bélanger, dans le coin à l'intention de Dufour, qui va céder à Marcoux. Marcoux, une feinte au centre. Cherche l'ouverture. Transporte en zone adverse. Dans le coin maintenant, c'est Boisvert plaqué. Marcoux veut reprendre. Collision avec Nadeau. Rondelle qui est libre. Et ce sera repris par Charles-Antoine Tremblay. Il s'amène devant Dufour, se défait du disque. Il va tenter de le récupérer dans le coin, mais repli défensif de Boulet qui encaisse la mise en échec. Ça permet à Bélanger de reprendre. Le relais accepté par Aubert, mais c'est perdu aux mains de Dupuis. On doit attendre la sortie de Goulet, c'est fait. Échange entre les deux arrières du côté des Genois. Un peu plus de 4 minutes à faire à cette troisième période. 1 à 0, les Genois qui mènent. Dégagement gagné dans son équipement. Relais qui revient en direction de Talbot. Manœuvre bien. Tente de rejoindre le devant du filet. Dans le coin, c'est repris par Deblois. Deblois transporte à la ligne bleue. Le tir de Vigneault dans le coin. Ça longe la rampe. Le Aubert sera le premier rendu et se contente d'un dégagement jusqu'au centre. Finalement, les Filons seront en mesure de reprendre et peut-être d'organiser une sortie de territoire avec Chapdelaine. Les secondes qui s'écoulent. 3 minutes 42 à faire. Gagné, tire de loin, ça longe la rampe. Le premier rendu sera Nadeau et ça revient maintenant sur le bâton de Talbot qui va rentrer au banc des siens après avoir dégagé jusqu'à l'autre bout. Deblois maintenant contre Gagné. On gagne toutes les secondes possibles, Pierre, du côté des Genois. Beau travail de Lavoie au dépens de deux joueurs des Filons. Et c'est Lavoie qui va saisir le disque. Le retour au pied du gardien Bourdage. La remise haut dans l'enclave. On est du côté des Genois. Lavoie revient à la charge. Un tir qui rate la cage. Sénéchal s'avance. Remet pour Dufour. Dufour évite son rival. S'amène dans l'autre coin. Dufour toujours en position du disque. La remise pour Nadeau. Ça va glisser jusqu'à Lavoie. Lavoie perd aux mains de Mathis Dufour maintenant. Dégagement par la baie vitrée. Ce sera touché au centre par Sénéchal. Et pour Mathiel Dufour maintenant. Tire de loin. Rebond dans le coin. Et on jette un coup d'œil constant au tableau du côté des Filons et également des Genois. 2 minutes 36 à faire. Rondelle qui longe l'arrière du filet du côté des Genois. On s'échange le disque chez les Filons. Pas beaucoup de circulation devant. On tente de remettre justement dans l'enclave. Dufour, qui a quitté son poste de défenseur, s'amène dans le coin. La remise maintenant. Un tir qui tarde à venir de l'arrière du filet. On veut surprendre la défensive adverse et le gardien. Bélanger qui s'avance à son tour. Rondelle qui bondit contre la rampe. À nouveau, Bélanger qui quitte son poste de défenseur. Bataille contre Talbot. Un tir qui va se retrouver de l'autre côté vers Dufour. Tir frappé, c'est bloqué. Le retour est libre. Dufour veut reprendre. Et finalement, c'est Sénéchal qui va permettre aux siens de respirer un peu plus à l'aise avec un dégagement qui sera accepté jusqu'à l'autre bout. 1 minute 50 à faire. Faudra éventuellement surveiller la sortie du gardien Bourdage, mais pas avant que ce dégagement-là ne soit refusé au filon. Vraiment, c'est pas ce que Martin Bernard aime vraiment, là, parce que là, c'est une remise en jeu dans son territoire, alors qu'il se préparait justement à rappeler Bourdage. Et Martin Bernard qui demande à l'officiel son temps d'arrêt. Les joueurs des deux équipes qui vont retourner à leur banc respectif pour prendre connaissance des consignes de leur entraîneur. Avec 1 minute 44 secondes au tableau. 1 à 0, le seul but du match. Ça fait la différence. L'œuvre de Félix Gauthier en première période en faveur des Genois qui mènent 1 à 0. Et on n'aurait pas pensé, Mario, lorsque Gauthier a marqué son but en première période, ce serait jusqu'à présent l'unique but de cette rencontre. Une rencontre disputée chaudement.
où les deux équipes, je le rappelle, ont tout donné, ont tout laissé sur la patinoire. Oui. Et le gagnant va affronter le Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est-à-dire, oui, les Patriotes. Mise en jeu importante, territoire de Tetford, le tir du revers, on a failli surprendre le gardien. C'est Lavoie qui est allé d'un tir et rapidement, l'officiel a fait entendre son sifflet. Et voilà, Mario, pourquoi on doit pas apprécier cette remise en jeu-là. Ça aurait pu clore le match subito presto, comme on dit. L'importance des mises en jeu. Deblois est là pour les Genois. Aubert se mène face à lui. Et c'est un tir qui est bloqué devant le filet, cependant. Repris par Justin Dufour. Dégagement qui ira jusqu'à... C'était Potvin, celui-là, qui va retourner les filons chez eux. Et oh non, on a jugé que Potvin n'avait pas franchi le centre avant de tirer en fond de territoire. Ça va constituer un dégagement refusé. C'est l'occasion pour les filons de pouvoir retirer leur gardien. Et ils font appel à leur deuxième temps d'arrêt. Deux temps d'arrêt par équipe, par période. Et immédiatement, Martin Bernard a indiqué qu'il revendiquait ce deuxième temps d'arrêt. Ça ne fonctionnait pas, Mario. Ce fameux dégagement là, refusé avec quoi, une minute 44 ou 48, là, ça aurait pu coûter cher. Là, ça permet justement de bénéficier d'une remise en jeu dans le territoire des Genois et y aller à 6 contre 5. Et surveillons Bourdage. Il semble rentrer, oui, au banc des siens. Il y aura donc 6 patineurs dans la mêlée du côté des filons. On va envoyer sans doute les meilleurs effectifs défensifs du côté des Genois pour contrer l'attaque à 6 patineurs des filons. Si on regarde juste au niveau défensif, Dupuis et Sénéchal qui sont là, les hommes de confiance. Oui. Bien, c'est là que ça se joue, Pierre. Exactement. Il n'y a plus de gardien devant le filet des filons. 1 minute 27 à faire la troisième période. 1 à 0, Alma. Mise en jeu remportée par les Genois. Sénéchal dans le coin. Aimerait bien immobiliser le disque. Ça ira vers Deblois. Ça revient à Sénéchal pour Dupuis maintenant. Collision derrière le filet. On veut ramener le disque devant du côté des filons. C'est fait. Ça ira à Chapdelaine au point d'appui. Et pour Justin Dufour dans le coin. À Dufour à maintenant. Le tir. Bloqué. C'est non seulement bloqué, mais conservé par le gardien Frenette. Il y avait de la circulation devant lui. Un tir haut, mais il voyait très bien la rondelle. Et gobé de la grosse mitaine. 66 secondes à cette troisième période. Oui. Remise en jeu à sa gauche. Ce sera aussitôt saisi par les Genois. Un dégagement qui sera sans doute refusé. C'est confirmé. Moins d'une minute à faire maintenant. 59 secondes et 7 dixièmes. Une fin de match très excitante. Bien, il y a, j'allais dire, pas beaucoup de partisans qui ont quitté leur siège. Pierre, je pense qu'il n'y en a pas un seul. Non. Et plusieurs sont déjà debout. Oui. Chapdelaine, à la ligne bleue. On a tenté de lui remettre le disque, mais intervention en défensive et ça va se retrouver à l'autre bout. Dégagement refusé. C'est passé tout près du but des filons. Oui. On voyait la rondelle qui a raté de quelques pouces. Et on va reprendre dans le territoire des Genois. Et là, il est important, d'un côté comme de l'autre, de remporter cette fameuse mise en jeu. On fait confiance à Nadeau pour les filons et ce sera gagné par Gauthier, cependant, dans le coin. Rondelle qui est immobilisée. On veut ramener le tout à la ligne bleue du côté des filons, mais bon travail en défensive des Genois. Les secondes qui s'écoulent, plus que 35 secondes maintenant. Et l'officiel qui finalement fait entendre son sifflet. Bien, de précieuses secondes là, qui ont été perdues là-dessus pour les filons et gagnées pour les Genois. Les Genois qui ont bien joué là-dessus, surtout après avoir remporté leur remise en jeu. On a vu qu'on n'était pas capable de sortir vraiment du territoire. Et là, c'est une mise en jeu, Mario, qui est très importante. À nouveau entre Gauthier et Nadeau. Et ça ira à Chapdelaine à la ligne 2, mais ne peut conserver. On le voit rapidement. Dufour. On a devancé. Hors-jeu à la ligne bleue. On n'est pas d'accord du côté des filons. Eh bien...
belle occasion, là, encore une fois. Ben, c'est des précieuses secondes qu'on perd du côté des Filons. On voulait aller probablement un peu trop vite. Pas nécessairement, on n'était pas du côté des Filons, des décors, mais bon, l'officiel était mieux positionné. On reprend au centre. C'est saisi par Goulet. Derrière, le tir de Nadeau. La rondelle qui échappe au gardien Frenette. C'est libre derrière le filet. Le tir de Nadeau, c'est bloqué en défensive. Oh, quel jeu de la part du défenseur. Un autre tir. Ça rate la cage. 10 secondes à faire. Chapdelaine, c'est bloqué dans le coin. Et on va tenter d'immobiliser. Et c'est les dernières secondes de ce match. Et ce sera suffisant pour les Janois d'Alma qui vont atteindre la grande finale du circuit collégial en vertu d'une victoire de 1-0 ce soir face aux Filons de Thetford Mines. La déception au banc des Filons et chez leurs très nombreux partisans alors qu'on manifeste au banc des Janois, mais l'officiel là, qui empêche les joueurs qui étaient au banc d'aller rejoindre ceux qui étaient sur la patinoire pour éviter tout débordement. Il y avait une altercation là, dans le coin du territoire des Janois. Ben, les Janois, Pierre, qui l'emportent, ne l'auront pas volé. Non. Et, on pourra dire du côté des Filons qu'on est venu bien près. Dans le quatrième match, on menait 3-0 en fin de deuxième période. On a laissé échapper une avance de 3 buts pour... Et je te dirais, Mario, c'est probablement là que ça peut s'être joué. Là, ça, on fait un recul. Ils auraient pu remporter cette série-là dès dimanche dernier. Défaite crève-cœur dimanche dernier qui égalait la série. Et là, on est revenu à la maison. Et on était incapable de trouver le fond du filet. Il y en a eu... C'était en première période. Et pour les Filons, ben, ils pourront dire que c'est peut-être la petite peste. Félix Gauthier, lui qui avait inscrit un tour du chapeau dimanche dernier dans la victoire de 4-3 des siens et qui avait inscrit le seul but du match ce soir. Et qui avait permis justement de créer l'égalité avec un recul de 0-3. Donc là, ben, ça va être la poignée de main traditionnelle. Il y a des joueurs qui sont déçus et avec raison. Oui, parce que pour certains, Pierre, c'est la fin de leur stage au niveau collégial. Ils en étaient à leur dernière saison. On est venu bien près. Et ça aurait été, ben, tu le mentionnais, pour une des deux équipes, c'est la première fois que les Janois vont se rendre en finale, mais pour les Filons, ça aurait été également la première fois. Eux qui ont connu quand même une très bonne saison. Et les Janois, de leur côté, vont saluer leurs nombreux partisans. Là, on l'a mentionné, ils étaient probablement près d'une centaine, je pense bien, ce soir au centre Mario Gosselin, à venir les appuyer. Et là, tu l'as mentionné, la traditionnelle poignée de main. Poignée de main qui est toujours très décevante dans le cas des perdants. Ouais. Dans le cas et dans le camp des perdants. Toujours un geste sportif qui met fin à cette... série à cette saison pour les Filons. Et ça va se poursuivre du côté des Janois dès vendredi prochain au centre sportif Mario Tremblay pour le premier match de la série finale, alors que les Patriotes du Collège Saint-Laurent seront les visiteurs. Ce sera le match numéro 1 de cette série finale 3-5. Et avec la gardienne Eve Gascon du côté des Patriotes, elle qui s'est chargée presque à elle seule de la formation des Cougars de Lennoxville, avec deux victoires en prolongation. Elle a donné seulement 4 buts en 3 matchs, Mario, et dont 2 victoires en prolongation. Elle qui a connu une très belle saison et qui est à la fin de son stage collégial, qui l'an prochain va se retrouver avec l'Université du Minnesota. Donc, alors qu'on aperçoit toujours les joueurs des deux équipes au centre qui s'échangent les poignées de main. Un geste sportif. Tout à fait. Ben Pierre, on s'y attendait. On aura eu droit à tout un duel, un excellent match. Quel duel de gardien de but. Oui. Et Olivier Frenette, ben, qui va sortir gagnant de cette série, mais on ne peut rien reprocher à Philippe Bourdage non plus du côté des Filons. Qui a été très solide dans la défaite. C'est une question, c'est comme on le disait, un but qui fait la différence. Et... là, ben, on a les joueurs des Filons qui, après avoir terminé leur poignée, la traditionnelle poignée de main, qui se retrouvent là. Vont attendre d'aller saluer leurs partisans à leur tour, alors que pour les Janois, ben, ce sera un agréable retour à la maison. Ah ben oui, hein? Exactement. Et pour les Filons, ben, comme on le mentionnait, ça s'arrête ici, alors qu'ils auront subi une seule défaite à domicile pendant les séries, mais ça aurait été... la dernière une de trop qui est fatale à la formation tetfordoise.
Les joueurs des Filons qui, sportivement, vont laisser leurs adversaires retraités au vestiaire attendre de réintégrer le centre pour saluer une dernière fois leurs partisans. Ils les auront gâtés, Pierre, cette saison. Une deuxième position. Oui. Une fiche mentionnée de 25 victoires, 8 défaites. Toute une saison, Mario. À domicile, 14 victoires, 2 défaites en temps régulier, 2 en prolongation et 1 en fusillade. Donc, et la preuve, on a vu ce soir une belle foule ici au centre Mario Gosselin, dans leur nouveau, si on peut dire, domicile, là, parce que le centre Nos Fourniers est fermé en raison de travaux. Mais on a été malheureusement... On salue la foule du côté des Filons. Et la foule qui leur rend bien. Ouais. On a apprécié la saison. Et on aurait bien aimé leur permettre de manifester plus que ça ce soir. Mais ça a été d'un côté comme de l'autre un seul but. Mais tout un match de hockey. Oui. Mais Pierre, c'est ce qui conclut ce reportage. Une dernière fois à la marque finale ce soir. Les Janois qui l'emportent 1-0 sur un but marqué par Félix Gauthier, son 8e, à 14-25 en première période. Et c'est ce qui fait la différence dans ce match ultime où les Janois remportent cette série 3-5 par le marque de 3-2. En souhaitant que ce reportage vous ait plu, au nom de Pierre Nadeau à l'analyse, des membres de l'équipe technique, c'est Mario Royer qui vous remercie d'avoir été là. On vous dit à la prochaine. Au revoir tout le monde.